Thank you.
こんにちは、皆さん。こんにちは、tout le monde。Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat. Je suis désolée, je suis un tout petit peu en retard, je sais pas combien de secondes ou de minutes. Mais il fallait absolument que je me fasse un petit bubble tea. Oh, merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup Flictus et Asutaro, pardon pour l'écorchement des pseudos. Arigato gozaimasu, mina follow shite kurete arigato. Ne, ano sono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment ça va tout le monde? Bon, Naruto, c'est super. Est-ce que le son ça va? Est-ce que la vidéo ça va? Est-ce que Internet ça va? Merci beaucoup Nata1201 pour ton follow, c'est trop gentil également. Follow shite kurete arigato gozaimasu, sono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Ah, ça change, le stream de journée, il fait clair. Oui, et en plus aujourd'hui, il fait beau. Genre, le ciel est bleu, peu de nuages, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, coucou Koneko Sukoshi, comment tu vas? Coucou tout le monde. Kendi-sama de gozaimasu, arrive bientôt, je suis un tout petit peu en retard, désolée. La forme et toi, bah ça va super. Est-ce que vous êtes prêts pour... le conte d'Alice au pays de merveilles. Ah, coucou Sky Willy, comment tu vas? Mina genki desu ka? Juste beau, mais il fait aussi moins doux, c'est vrai. Et je ne sors pas, donc je sais pas. Pour moi, juste il fait beau là. Genre, le temps, il est parfait. Oh les gens, j'avais pas vu, on a dépassé les 1600. Mina, arigato gozaimashita! Merci beaucoup! Arigato gozaimasu! Ah là là. Bon. Alors, il se passe quelque chose. C'est que tout le monde a peur de passer. Sauf pour nous, BS Dream. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer de traduire? Sachant que je précise, le conte qu'on va lire, donc c'est Alice au Pays des Merveilles. Et il vient de ce livre-là que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Voilà. C'est un livre d'histoire pour les enfants. Ça veut dire que les histoires, elles sont pas trop compliquées à comprendre. Go lire un peu, c'est détente. Mais oui! Mais oui! Très sympa le casque. Ah! Arigato gozaimasu! Neko desu ne watashi. Je suis un chat. Ah, coucou Saema! Ah, t'inquiète pas. Bah, coucou, hein, du coup. Space, moi je vais go au taf. Ah, tout le monde est occupé? Samedi après-midi, c'est pas le bonjour? Astaro, tu veux passer pour le vocal, c'est ça? Yaho, je peux pas rester longtemps, mais je passe faire un coucou. Oh, il y a tout le monde qui est occupé le samedi après-midi. J'ai choisi le pire horaire. Ah, donc, si vous voulez venir lire en vocal, vous devez venir sur le Discord, vous devez valider... donc la vérification, le règlement et le rôle Gakusei. Et en faisant ça, vous aurez accès tout en bas au salon live. Et donc, il faut vous mettre dans la salle d'attente. Tous ceux qui veulent lire et traduire aujourd'hui, bah, il faut venir sur le salon salle d'attente. À mon avis, il y a pas mal de gens qui font leurs courses, couvre-feu, tout ça. Ah, so desu ka? Et moi, je donne cours à 18h le samedi, du coup, je peux pas faire au soir. Tant pis. Ah bah Père Jacques, n'hésite pas. Hein. Je vous ai mis tout le vocabulaire et la traduction, je suis là pour vous aider. Donc si vous voulez juste déjà vous entraîner à la lecture, c'est l'objectif principal de ce live. Et essayer de traduire, bah après je suis là pour vous aider. Hein. On fait du mot par mot, je vous explique les points. Et après vous essayez de donner une traduction en fonction de ce que vous avez compris. Vous vous mettez toujours la pression, mais le but, c'est d'aller lentement, déjà, de ne pas aller trop vite pour que tout le monde puisse comprendre, d'apprendre de nouvelles choses, de s'entraîner à la lecture et de travailler vos premières traductions. Hein. Mais assister soit par moi, soit par le chat qui peut aider et donner d'autres traductions aussi. Hein. On n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. Hein. On est là pour s'entraîner. C'est ça que les gens oublient souvent, c'est qu'on est là pour s'amuser. On est samedi après-midi, d'accord? Mes enfants ont le don de venir me poser des questions quand je suis occupée, donc ça va être compliqué. Oh non, c'est dommage. Faut faire participer les enfants, est-ce qu'ils connaissent leur canard? Est-ce qu'il y en a qui connaissent leur canard?
Bon, du coup, comme d'habitude, je fais la commode. Ah, je fais ça bien, ça je sais, je fais la commode. Et toutes les personnes qui veulent passer pour lire un bout, sachant que là, le conte, il est en deux parties. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la première partie et je l'ai divisé en 7 bouts. Donc, au total, grand maximum, il y a 7 personnes qui peuvent passer. Si 7 personnes ne se présentent pas, alors je ferai un roulement. C'est-à-dire que, imaginons, on est 4, bah, je fais passer les 4, puis 3. Et comme ça, on lit toutes les diapos. Merci beaucoup, Kawet, pour ton follow. C'est beaucoup trop gentil. Follow, je t'écoute, t'es arigato gozaimasu, no channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, à tous les nouveaux, comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé la chaîne? Mais lui, le compte en lot, m'a dit. Non. Ça va être compliqué. pur nous, Bazdum, est-ce que vous pouvez vous mettre en salle d'attente si ça dérange pas? Comme ça, s'il y en a qui savent pas où ça se trouve, ils vous verront et ça sera plus simple. Ah! Bah, en vrai, toutes les personnes qui veulent venir, mettez-vous en salle d'attente. Hein. Alors, je précise, le minimum, c'est de savoir vraiment vos canas. Si vous ne savez pas vos canas, vous ne pouvez pas participer malheureusement, parce que ça va prendre trop de temps de les déchiffrer. Donc, il faut connaître un minimum ces canas pour pouvoir lire le compte. C'est tout ce qu'on demande. Hello, ça va bien? Sympa ce petit live improvisé. Mais c'est pas improvisé! C'est prévu, mais il faut être sur le Discord et regarder le planning pour le savoir. Et je l'ai mis sur Insta aussi. Donc c'est pas du tout improvisé. J'ai préparé le cours, j'ai tout préparé. Salle d'attente, mettez du gel hydroalcoolique sur vos mains et respectez vos distances. Oui. 2, 4, 5. Esdum, ça fait 6. Et Esdum, il est... Je sais pas, Esdum, je te bascule en salle d'attente ou pas du coup? Donc là, toutes les personnes qui sont en vocal, ce que je vais vous faire, c'est que... Ah, voilà. Je vais vous envoyer en privé le diapo du cours. Comme ça, ça sera plus facile pour vous. Je vais vous en envoyer... Alors, j'essaie de vous envoyer ça... hop... Le diapo... Et on va établir un ordre de passage, du coup. De toute façon, je fais des annonces, mais je le savais. Je le savais que tout se fait au dernier moment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Purnoob, toi, tu as déjà le diapo. Hop. Et il nous manque une personne. Est-ce qu'il y a encore une personne? Alors, Purnoob est là en tant que joker. S'il manque vraiment quelqu'un, il a dit que ça ne le dérangeait pas de passer. Voilà. 2, 4, 6. J'ai connu les canards à une époque, mais ça fait longtemps, je passe mon tour. Ah bah écoute, Sky Willy, déjà avec ce live, essaye de voir si tu y arrives. Ça te permettra de te réentraîner un petit peu. Et tout c'est dans vos coudes. Oui, ça va bien, j'ai vu l'annonce sur Facebook perso. Mais je t'ai déjà vu passer au Shiba Matsuri. Ah oui, c'est vrai que vu que j'avais organisé le Shiba Matsuri, il y en a qui me connaissent de là-bas. Je sais que tu aimes ma belle voix, mais tu... Hein? Mais tu dois partir, c'est ballot. Zanen. Je suis plus la plage, c'est pas grave Soledad, c'est pas grave. Au pire, je cède ma place, tu fais ça à 5, ils font une page chacun. Ou au pire, je fais la dernière aussi. Bah non, mais moi, David, enfin pour nous, ou Japan Kanke, je sais plus quoi t'appeler. ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien si tu participes. Mais je préfère le préciser au cas où quelqu'un se dit, ah bah moi, je voudrais bien passer avec une autre personne. Et du coup, bon bah voilà, mais... Merci beaucoup pour tous vos follow. Merci Magie 11 au cœur à corps et Tilaris MK. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Follow, je t'écoute, arigato gozaimasu. Annonçons notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Ça roulotte. Ça roulotte. Oui, mais oui. Et le pire, c'est que maintenant, je dis pur nous à des gens, ils savent même pas qui c'est. Alors que c'est la base, base.
Ah là là. Donc, ce que l'on va faire, c'est que les premières pages sont les plus... Donc, la première page est la plus courte. Je ne sais pas le niveau de chacun. Alors, Ezjum, pur noob, je sais. Par contre, Perjok, Lune... Bon, Isa, je vois à peu près. Et Asturaro, quel est votre niveau en japonais? Pour que je puisse déterminer l'ordre. Merci beaucoup hein, pour tous vos follows, c'est trop gentil. Oui, donc ça va. Asturaro se débrouille. Oh, merci beaucoup, Coco25520. Merci pour le follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Mais pas beaucoup d'expérience, t'inquiète pas. On est des gentils, nous. Je suis débutante, je bute encore sur quelques kanas et je lis comme en CP, quoi. Ok, d'accord, t'inquiète pas. Ça, c'est. Tu as le droit. Et heureusement, t'es là pour t'entraîner, hein, donc. Ce que je vais faire, je pense que t'es celle qui débute le plus. Donc toi, tu passeras... Alors attends, c'est quel passage qui est assez accessible? La page, le diapo 7, le diapo 7, lune, ce sera le plus accessible. Soit la première, soit tu peux passer en premier, c'est assez simple à comprendre. Soit c'est la septième diapo. Pareil, d'habitude, on fait ça avant, mais comme, comment dire, comme cette fois-ci, ça s'est fait au dernier moment de savoir qui allait lire. Je vais venir en salle d'attente et on va en parler avec vous. Comme ça, on détermine l'ordre. Coucou tout le monde. Alors, avant de commencer le live, sur le Twitch, du coup, on vous entend pas, hein, mais est-ce que premièrement, des gens ont des horaires à respecter. Ok, donc c'est bon. Enfin, donc, tout le monde, au niveau des horaires, est assez flexible, que ce soit passé dès le début, soit dès la fin. À la fin, pardon. Ok, donc Astu... Ah, attends. Ah... Je peux t'appeler Astu? Je sais pas pourquoi le Asta, il veut pas. Il veut pas, je suis désolée. Astaro, Astaro, Astaro. Je peux te faire passer dans les premiers, du coup, ça, y a pas de souci en soi. Et au niveau de tout le monde, le compte est assez accessible. Donc, à part Lune, à qui... Donc, Lune, soit tu peux passer en première et t'as un petit passage qui n'est pas trop compliqué, soit t'attends à la fin. Et pareil, t'as un petit passage qui n'est pas trop compliqué. Je ne sais pas ce que tu préfères. Ok, il n'y a pas de souci. Père Jock, je sais plus c'est quoi ton niveau en japonais. Je sais pas, débutante, je sais lire les kanas, mais lentement. Est-ce que ça te dérange si tu passes en première? Ah, j'ai pas entendu. Ok, comme ça au niveau de... Donc, je vais le marquer sur une feuille pour pas oublier l'ordre. On commence par Perjok. Voilà, bref. Merci beaucoup tout le monde pour les follows. On prend 5 minutes, hein. On prend 5 minutes pour s'organiser et comme ça, après, tout le monde profite. Donc, Perjok en premier. Le passage d'après. Le passage d'après, je dirais bien du coup Asutaro. C'est un niveau pas trop facile, mais en même temps, tu passes dans les premiers, je pense. Ce sera le plus... Ok. Bah après, l'ensemble du texte est pas compliqué, hein. C'est vraiment juste pour optimiser un peu pour tout le monde que j'essaye de voir le niveau de chacun et le dispo, mais c'est plus ou moins le même niveau à chaque fois. Le plus difficile, finalement, c'est le vocabulaire, et le vocabulaire, je vous l'ai mis à côté, donc vous devrez y arriver. Des rien.
Oh bah ça t'inquiète pas Isa, je suis là. Il faut que je serve à quelque chose dans ce live. Bah je suis là pour ça. Oui. Il n'y a pas de question bête. Non, de droite à gauche. Non, c'est de droite à gauche. C'est ça, de droite à gauche et de haut en bas. Sans, sans, sans. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un sens de lecture plus traditionnel que je vous ai dit. Sans, 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 sans. Ok, oui, non, mais voilà. Donc, de droite à gauche et de haut en bas. Ah, sans dessiner. Du coup, 4, j'avais dit S-Dream. Et donc, pour 3, bah, Isa? Oui, je vois le temps que je réfléchis. En plus, je vois pas ma tête, alors je vais t'en mode. Je vais faire des têtes un peu chelou. Le 3. Ouais. Alors, il est un peu long, mais il est pas compliqué. Pareil pour. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah non, 4, j'avais dit pur noob. Pardon. Le diable. Non, non, non. C'est pur noob. En fait, il y a un décalage par rapport au diapo. Parce que c'est la page 2, 3, 4, 5. C'est ça, exactement, du diapo. Je vais vous faire le repérage. Je vais vous faire le repérage, on va y arriver. Bah oui, sur le diapo, il y a 8 pages là. Hein. Alors attends, attends. Du coup, S-Dream, la 6. Et pour la 7 et la 8, on verra qui veut repasser, qui est encore dispo. Parce que du coup, il manque 2 personnes. Donc peut-être que des personnes vont arriver en cours de route. Et dans ce cas-là, on leur donnera la 6e et 7e diapo. Et si d'autres personnes ont envie de relire, et ben dans ce cas-là, je replacerai ceux qui ont envie. D'accord? Ça vous va si on fait comme ça? Non, ça va aller. Et déjà, Kolenishimasho. Bon, du coup, je retourne en vocal live. Je regarde un peu ce qui s'est passé sur le chat. Et d'ici un peu moins de 5 minutes, je fais venir Perjok, du coup, pour la première diapo. Donc, n'hésitez pas à regarder rapidement pour faire un petit avis. Mais ne tryhardez pas non plus. Hein. D'accord? Donc, voilà. Adia, itekimasu. Alors, attendez, je rattrape un peu le chat. Ça, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose, ça va. Tu as le droit, quelqu'un du Bruel. Sans nez. Moi, je suis N4, mais ça fait quelques mois que j'ai pas pratiqué. Et oui, c'est normal. C'est normal de pas vous de les entendre parce que j'avais peur que ce soit un brouhaha, donc c'est pas très grave. Vous avez l'essentiel, on a l'ordre de passage, on va bientôt commencer. Sans, sans, sans. Sans, sans, sans. Du coup. Avant de faire venir Perjok, il reste 2 places. Donc, si à un moment donné, vous voulez faire les deux, l'un des 2 derniers diapos, vous venez sur la salle d'attente et vous m'envoyez un message en MP en me disant je veux faire le 6e ou le 7e, sachant que c'est le même niveau et le même nombre de lignes. C'est vraiment le même contenu, du moins en nombre de phrases et en difficulté. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez tous de quoi écrire? Sachant que, je le répète, hein, mais pour tous ceux qui seront sub à la chaîne, vous aurez la rediffusion dans le salon bonus avec le diaporama. Pour tous ceux qui ne le sont pas, la rediffusion sera disponible sur YouTube et le diaporama, du coup, vous le verrez dans le live. Donc, n'hésitez pas, quand vous ne connaissez pas un mot, un point de grammaire, à tout de même prendre des notes et à poser également des questions quand vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, hein, on n'en fait pas beaucoup. C'est vraiment les follow goals, hein, les lives de traduction. Donc là, si on arrive à 1750, par exemple, on fera une traduction d'un opening. Et celui d'après, ce sera une traduction de conte. Et je pense, du coup, qu'on fera la partie 2. Donc si vous voulez la partie 2, après, faudra vite tryhard les follow. Hein. Faudra arriver à 2000 assez rapidement. Sinon, vous aurez oublié l'histoire avant même qu'on y arrive. Vous aurez oublié la première partie.
Je suis 100% stressée, désolée d'avance pour ma voix qui tremble. Non mais t'inquiète pas, Père Jacques, c'est super gentil en vrai. Plein d'amour parce que je sais que c'est pas évident, on est stressé et tout. Demande Kiryu, je crois en toi. Daijoubu desu. Merci beaucoup, Kalmeino, pour le follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu, sono channel yokoso. Alors attendez, je bois un coup. Alors, pour l'ordre de lecture, en premier, Père Jock, ensuite Astaro, ensuite Isa, ensuite Purnoob, et ensuite Asvim. Et à la fin, il nous en reste encore deux. Ah, il manque quelqu'un du coup. Non, et ah non! Donc le 6, pardon, le 6, c'est toi, Lune. C'est bien ce qui me semblait. Donc Lune, tu passes en sixième. Désolée, je pensais t'avoir marqué, mais du coup. Merci beaucoup, Frite Turquoise, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Dans le chat, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mina daijoubu desu ka? Oh, merci Asdream! Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap pour Asdream. Merci pour Lost, c'est trop gentil. Bon, tout le monde a l'air prêt. Ok, alors, je prépare mon diapo. Hop. Regardez cette belle page de présentation. Est-ce que c'est pas mignon? Est-ce que j'ai pas fait du bon boulot? Complimentez-moi, s'il vous plaît, j'ai galéré. C'est beau. Merci, merci, merci. C'est pas du tout réclamé, pas du tout. Et non, Ezup, tu vas pas passer. Merci beaucoup, Lilium Show. Et merci pour le beat, Spurdoub. Merci. Mina, ganbarimashone. Ishoni ganbaro. Donc voilà, on va lire Alice au pays des merveilles. Si vous n'êtes toujours pas au courant. Arigato, Mina, arigato. Et du coup, notre cher Père Jock va passer sur cette première partie. Et je vais la faire venir tout de suite. Allô, allô, Père Jock, m'entends-tu? Oui, très bien. Oui, alors la question c'est, est-ce que sur le vocal, sur le Twitch, on t'entend? Est-ce que vous l'entendez, les gens? Ah, coucou Chomi, comment tu vas? Genki desu ka? Vas-y, est-ce que tu peux dire... Parler, juste pour parler, genre je parle. Bonjour. C'est moi, C'est Père bon. Jacques. C'est Ah, bon. apparemment, on t'entend. Alors, du coup, Père Jacques, je crois que c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Twitch. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation? Pas forcément ton nom ou quoi, mais peut-être ton niveau de japonais, comment on t'appelle, les pseudos, blablabla. Tout ce que tu veux qui pourrait être intéressant pour les personnes qui regardent, qui sachent à peu près qui tu es et savoir à peu près le niveau que tu as principalement. Ok, du coup mon pseudo Père Jock, donc on peut m'appeler Père Jock, c'est très bien. Je viens de Normandie. Bien J'ai commencé le entendu. japonais au collège très vaguement parce que je lisais des mangas et je regardais des animés. Et récemment je me suis mis sérieux. Donc je vois un peu une prof japonaise de temps en temps, on s'envoie des mails, tout ça. Et voilà quoi, je me suis dit, comme j'ai vu ta chaîne pendant le confinement et tout, ça m'a bien plu. Puis surtout de reprendre un peu les bases, parce qu'il y a plein de trucs de grammaire que j'oublie au fur et à mesure. Donc voilà. Naruhodo, Et je parfait. viens de Caen, en Normandie. Ah bon bah voilà, tu Pour ceux satisfais qui les curieux dans le chat. demandent. Merci, merci. Du coup, alors j'ai pas pu faire les explications, donc ce que je vais dire là, ça vaut pour toutes les personnes qui actuellement sont en salle d'attente et qui sont censées du coup écouter le live. Hein. Comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais te laisser lire toute ta partie en entier. Une fois que ça sera fait, on fera du phrase par phrase, c'est-à-dire qu'il faut que tu te places dans une situation où tu as lu, tu as peut-être rien compris, ou alors compris quelques mots, et il faut te dire que moi, je suis ton internet. Genre, toi, si tu devais traduire, selon toi, qu'est-ce qui te manquerait? Et le but, ça serait que tu me poses les questions de bah, je comprends ça, mais il me faudrait ça. En gros, utilise-moi comme si j'étais internet pour réussir à traduire cette phrase. D'accord?
L'objectif, c'est okay. pas que je te donne les réponses, c'est que tu me les poses comme si c'est toi qui essayais de traduire le texte toute seule, même si évidemment, c'est moi qui vais te répondre pour t'aider. D'accord ? D'accord. Ok. Du coup, là, je te laisse. Alors, pour la lecture, tu le fais à ton rythme. Le but, ce n'est pas forcément que tu fasses une lecture parfaite, c'est surtout que tu puisses t'entraîner. Et quand tu vas lire, l'idéal, c'est que tu arrives à te mettre un peu en retrait et à te dire, en lisant, il faut que j'essaye aussi de comprendre. C'est pas facile, surtout si on n'a pas l'habitude. Mais c'est l'objectif de ces lives, c'est de vous entraîner à la lecture. Et comme quand on est enfant et qu'on lit au CP et tout, au début, on lit que pour lire, pour déchiffrer. Et après, on parfait sa lecture en essayant également de comprendre ce qui est dit. Si tu arrives à faire ces deux choses-là et à comprendre plus ou moins dans ta première lecture, alors c'est parfait. Et dans ce cas, normalement, tu devrais pas avoir mal de traduction. Mais c'est l'idéal, hein. C'est très rarement le cas. Même moi, mon niveau, je l'ai lu 2-3 fois le compte pour le comprendre vraiment complètement. Donc voilà, j'ai conscience que cet exercice est difficile. Que peu importe le niveau. D'accord ? Du coup, tu prends ton temps, tu nous lis ce texte et on t'écoute. Kanbatte kudasai. Et le chat, je pense que vous faire des clap pour encourager Père Jaune dans sa lecture. C'est gentil. Kanbatte kudasai. Ok. Fushigi no kuni no Alice. Alice wa hinagiku no hana no sakutote ni suwatte imashita. のんびりして、なんだかね、む。C'est beaucoup trop long. なんだか、なんだか眠くなりそうです。ぼーっとしている目の前を、食器を着た、白うさぎが通り過ぎました。え、今の花に？今のは、今の、あ、パン。今のは何？So, kanpeki desu, très bonne lecture, parfait. Bon, aucune faute de prononciation, un très bon début de lecture. Moi, je serais pof, je te mets 20 là, vraiment. C'est gentil, très bien, merci. Très très bien. Alors du coup, si on suit la logique, et le chat, vous pouvez faire des clap, c'est une très bonne lecture. Si on suit la logique, les étapes de la lecture, est-ce que déjà, en le lisant, tu as compris des choses ou pas? Grossièrement, est-ce que tu sais ce que dit cette partie ? Alors, c'est un peu flou. Normal. Alors, quand on a du mal, la première question que tu peux te poser, c'est dans ce texte, dans ce que j'ai lu, quels sont les mots importants ? Ça, c'est le premier indice pour avoir une idée très générale de ce que tu as lu. Bon, du coup, j'ai compris Alice. C'est ça, on parle d'Alice, c'est le sujet. Ouais. Ça, c'est super important, exactement. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnages dans cette partie ? Du coup, j'ai vu passer un lapin blanc, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et à part ça, ouais, au niveau du vocabulaire, j'ai vu fleur. Oui, ok. Et autrement, c'est... Autrement, là, ça va être le découpage, le phrase par phrase qui te permettra de traduire. C'est ça. Ok, donc là, en vrai, on a deux informations super importantes. C'est les personnages qui sont dans ton texte. On a Alice et on a un lapin blanc. Bon, heureusement, dans ce genre de conte, tout le monde les connaît. Du coup, le fait de les connaître avant peut aider. Mais là, c'est très bien, tu les as trouvés, donc c'est parfait. On va commencer par le titre, du coup. Fushigi no kuni no Alice. Et donc là, tu as un ichi, parce que c'est la première partie dans mon livre. Il est divisé en deux parties. Donc ça, tu me le traduirais comment ? Littéralement, en premier, on va dire. J'aurais dit Alice du pays
étrange. Oui, oui. Très littéralement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alice du pays étrange. Et nous, évidemment, quand on l'a adapté, c'est Alice au pays des merveilles. Donc là, c'est bien le titre du conte. Hein. Et ce que vous devez retenir, là, je parle pour toi, mais aussi surtout pour le chat, c'est le vocabulaire. Hein. Fushigi. Fushigi, ça veut dire bizarre, étrange. Mais ça n'a pas toujours une mauvaise connotation. Et donc là, par exemple, c'est Fushigi no Kuni, bah, c'est merveilleux, hein. C'est étrange dans le sens positif du terme. Donc nous, en français, on va donner un sens beaucoup plus amélioratif, je ne sais pas si ça se dit, mais j'imagine, avec merveilleux. Donc Fushigi est un adjectif en A que l'on, comme tout adjectif en A, peut considérer comme un nom. Hein. Donc on peut dire Fushigi no Kuni et non pas forcément Fushigi na Kuni. Non, Alice. Et Alice étant le personnage, l'héroïne principale du texte. Et donc voilà, pour le titre, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste une chose, du coup, que je rajoute. Donc du coup, je t'aurais peut-être pas mis 20, je t'aurais mis 19. T'as oublié le sous-titre en lisant? Oui, je viens de voir qu'il y avait c'était pas la même chose. Non. Du coup, est-ce que tu peux me relire avec l'auteur en dessous? Me lire cette phrase. Fushigi no kuni e karoru Saku. Kiarolu. Saku étant pour dire l'auteur. Hein. C'est Carol Lewis, je crois, de mémoire. J'ai fait des cours sur les contes, ouais. Mais je crois que c'est Carol Lewis qui a écrit. Donc là, tu as le sous-titre, hein, parce que le conte est divisé en deux parties. Donc tu as la première partie, Fushigi no Kuni e. Et la deuxième, bon, on le verra pour un autre live, mais du coup, ça veut dire quoi, Fushigi no Kuni e? Du coup, vers le pays étrange. Exactement. Ici, les gens, donc toi tu le sais, hein, mais du coup je le dis pour le chat, on a la particule « et » ici qui indique la direction, donc en direction du pays étrange, du pays merveilleux, du pays aux merveilles. Là, vous êtes assez libre en traduction, mais comme le thème français est assez présent dans la mémoire collective, on va garder ce pays des merveilles, pays merveilleux. Faut dessiner. Et donc là, en dessous, on a après le nom de l'auteur. Alors, je fais une mini-pause pour remercier toutes les personnes qui viennent de follow la chaîne. Donc, Oven Air, si... Non, Six, j'allais dire... Ah, oh, faites des pseudos faciles, pensez aux streamers. Donc, Oven. Philo, 53, et Corps de Phasme, mes péchés, quel pseudo. Ça, c'est facile, on comprend tout de suite. Merci beaucoup pour vos follows, c'est très gentil. Follow, je t'ai connecté, arigato gozaimasu, notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et bye bye à tous ceux qui doivent partir pour occupation. Ganbatte minasan. On reprend. Alors, la première phrase, du coup, je te la lis. Essaye de te poser dans une posture de compréhension de l'oral. Hein. Alice wa hinagiku no hana no saku dote ni suatte imashita. Alice wa hinagiku no hana no saku dote ni suatte imashita. Donc là, niveau vocabulaire, je t'en ai mis plusieurs. Mais en dehors de ce que je t'ai mis, est-ce que tu aurais besoin d'autres éléments pour comprendre la phrase ou est-ce que tu pourrais me proposer une petite traduction? Ça va peut-être aller. Vas-y. Je vais essayer. Vas-y, propose un premier jet et en fonction de ta traduction, j'essaierai de t'expliquer certains points pour l'améliorer, si besoin. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. On va voir. Du coup, donc, Alice était assise. Sur la berge. Et là, il te manque juste... Ouais, il y a Saku. Ça. Ici, on est sur une proposition déterminante. Est-ce que tu as déjà vu ça en japonais? Le fait de qualifier avec une phrase en forme neutre à la fin. Une subordonnée. Alors comme ça, ça me dit rien. Après, j'ai peut-être pas les termes. En fait, tu sais, c'est quand tu as un nom. Donc par exemple, le chien. Et au lieu de dire « le chien mange », tu dis... Le chien qui mange est ici. C'est le que, qui, où en français. Et c'est quand tu qualifies un nom avec une phrase plus complexe. Hein. Donc là, la phrase plus complexe, c'est Hinagiku no hana no saku, qui détermine
doté. Doté, c'est pas juste un simple amas de terre, c'est pas juste un petit mont de terre, c'est un mont de terre où, et là il y a ta phrase. Ok. Et donc en français, tant que le sens tu l'as compris, tu peux un peu le traduire comme tu veux. Hein. Même si tu veux mettre un peu plus de comment dire, que ce soit plus agréable à lire, tant que le sens y est, moi je l'accepte. Hein. Surtout en live sur Twitch, pour un compte. C'est pas du professionnel, donc on peut se faire plaisir. Donc du coup, en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'elle était assise sur une berge où il y a des pâquerettes. Oui, c'est ça, exactement. Grosso modo, l'idée, elle est là. Hein. Après, si tu veux être plus proche du texte, tu peux rajouter le verbe fleurir, hein, saku, ou des fleurs ou des pâquerettes fleurissent, par exemple. Mais l'idée est là. Hein. Donc là, pour le chat, je décortique un peu la phrase. Alice wa particule de thème. Donc, le thème de votre phrase, ce sera Alice. Et l'action qu'elle fait, c'est soate imashita au passé, avec le verbe soalu qui veut dire s'asseoir. Elle était assise. Et elle était assise où ? Dote ni particule de lieu. Dote, pareil, je vous donne le mot de vocabulaire, c'est la berge, l'amas de terre, un mont de terre. Voilà, c'est quelque chose de ce style-là. Et comme j'ai pu expliquer du coup à Perjoc, ici, ce mont de terre, c'est pas un simple mont de terre. C'est un mont de terre où fleurit des fleurs de pâquerettes. Hein. Des fleurs de pâquerettes, ça se dit pas trop, ça c'est très japonais de dire nani nani no hana. Mais où fleurit des pâquerettes. Et ça, c'est une traduction littérale, mais très, très bien pour un conte. Je pense qu'on dirait ce genre de choses en français, donc c'est très bien. So desne. La phrase suivante, du coup, on continue. Nanbirishite nandaka nemuku nari sou desu. Donc là, pareil, même question. Est-ce que le vocabulaire, ce que je t'ai donné, te suffit? Ou est-ce que tu as besoin d'autres informations pour comprendre un peu mieux la phrase et me proposer une traduction? Alors, je crois que j'ai une idée globale de ce que ça veut dire. Enfin, pour moi, ça veut dire donc qu'elle était en train de flâner et qu'elle a commencé à se sentir fatiguée. Ah oui, très bien, très très bien. Oui, c'est ça. Donc là, on parle bien de Alice à la troisième personne. Hein, donc, ce que tu utilises comme vocabulaire et type de phrase, c'est parfait. Et je pense que je pourrais même pas proposer mieux parce que c'est concrètement l'idée de ce que veut dire. Donc, c'est très bien. Okay. Du coup, pour expliquer grammaticalement cette phrase, hein, nonbidishite, ici, formenté de celui. Donc, forme. Je l'ai dit tout à l'heure à Purno, mais j'ai oublié. C'est une. Oh ma mince. Je sais plus. Formentée suspensive. Voilà, c'est une formentée suspensive. Donc là, on dit qu'elle était, qu'elle flânait, qu'elle se la coulait douce. Hein. Elle est là, assise sur son tas de terre. Et puis, elle fait rien de spécial. Et nandaka nemuku nari sou desu. Et à un moment, nemuku, ça vient de l'adjectif en i, nemui, donc être fatigué. Qui va être accompagnée de naru, la transformation devenir. Donc, elle s'est sentie fatiguée et sodes ici, c'est juste, elle avait l'air de devenir de plus en plus fatiguée. Donc, grosso modo, l'idée c'est que petit à petit, elle s'endormait. C'est là en japonais, on a plein d'éléments. Si on les décortique, ça veut rien dire. Mais en français, pour faire plus simple, c'est ce que Perjoc nous a proposé comme traduction. Hein. Donc je sais plus exactement ce que tu avais dit. Est-ce que tu l'as en tête pour la redire une fois? Je crois que j'avais dit elle était en train de flâner et elle a commencé à se sentir fatiguée, quelque chose comme ça. C'est ça, très bien, so. Et ça, c'est parfait comme traduction. Très bien. Et la suite, du coup. Botto shite iru me no mae o chouki o kita shiro usagi ga tori sugimashita. Alors, elle est un peu longue, mais pareil, je ne te repose pas la question. Si tu as besoin d'un élément, tu me le demandes. Sinon, tu peux me proposer une traduction de ce que tu as compris. Alors, elle était dans ses pensées et devant ses yeux.
Un lapin blanc qui portait un gilet. Enfin, est passé devant elle. J'ai oui, c'est exactement ça. C'est très très bien, une très bonne traduction. Donc là, pareil, hein, pour le chat, vocabulaire, j'ai mis tous les mots importants. Hein. Donc, botoshiteiru, c'est le fait de rêvasser, voilà, être dans ses pensées. Et ça détermine mais. Donc, les yeux un peu rêveurs, nomaini, donc devant ses yeux qui sont rêveurs. C'est pas très français de dire ça, mais je pense que vous voyez quand même l'idée. Hein. L'image qu'on a un peu à avoir, c'est elle est là, elle est à moitié endormie, elle est comme ça, les yeux un peu fermés. D'un coup, boum, qu'est-ce qui se passe? Un lapin blanc qui portait un gilet passe devant elle. Et grosso modo, du coup, la traduction de Perjok est très bien. Niveau grammatical, c'est toujours la même chose. On a beaucoup de propositions relatives. Hein. Donc là, c'est celui sur mais, enfin celle sur mais. Et on a aussi celle sur Shiro Usagi, le lapin blanc. C'est pas n'importe quel lapin blanc. C'est un lapin blanc qui est habillé, qui porte un gilet. Choki o kita. Shiro Usagi. Et ce lapin, il fait quoi comme action? Eh ben, torisugimashita, au passé, ben, il passe devant. Et il passe devant qui? Notre chère Alice. Ça va pour toi, Perjok, tous ces éléments? Ouais, bah, c'est vrai que là, c'était un peu long, mais dans l'ensemble, ça va. Ouais, bah, ta traduction, je te dis, elle est parfaite. Hein. Je veux dire, moi, si je donne un texte comme ça à un élève et qu'il me donne ce que tu me dis, bah, à part si je chipote, je lui mets la note maximale. Hein. Parce que le sens y est, t'as tout compris. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est important. Après, le style, c'est autre chose, mais comme on est là pour dealer et c'est pas du professionnel, c'est très bien. C'est très, très bien. Et du coup, dernier petit bout en ce qui te concerne. Et imanoa nani. Et imanoa nani. Du coup, ça, j'aurais traduit hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Très bien, très, très bien. Là, très littéralement, c'est un et de hein. Quoi? En français, c'est ça. Dans le Nord, c'est un. Mais en français, c'est quoi? Ima noa, donc ima, c'est maintenant. Hein. Noa, donc ce qui vient de se passer. Nani, donc on a allongé le A, mais c'est très oral. Nani, bah c'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Littéralement, donc, so desu ne. Et donc là, si on re... Est-ce que tu serais capable de me dire d'une traite ce petit passage en français? Approximativement. Alors peut-être, je vais tenter. Ganbatte kudasai. Alors, Alice était assise sur une berge où fleurissent des pâquerettes. Elle était en train de flâner quand elle a commencé à se sentir fatiguée. Devant ses yeux rêveurs est passé un lapin blanc qui portait un gilet. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Ouais, très bien, très bien. Le chat, je pense qu'on peut faire des clap, 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 hein, parce que c'est excellent, Perjok. J'ai rien à dire. Merci. Tu fais tout mon boulot, c'est parfait. Tout propre, c'est vrai ça. Ah, donc c'est très bien, très très bien. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Du coup, est-ce que tu as quand même des questions ou est-ce que ça a été? Ça va? Bah ça va, oui. Après, voilà, niveau vocabulaire, j'avais pas du tout tous ces mots-là, mais du coup, c'est intéressant. Je dois te rassurer que moi non plus. Hein. J'ai fait des recherches au niveau vocabulaire parce que c'est pas... Alors, par exemple, hinagiku, les pâquerettes. J'étais en mode, les deux premiers mots, hinagiku, doté, j'étais en mode, bah, je connais pas, donc on va chercher. Donc c'est normal, c'est normal. Et c'est pour ça que les contes, c'est cool, parce que les histoires sont pas trop difficiles à comprendre, mais ça permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Et donc la tâche, elle paraît un peu moins difficile quand on est sur des textes plus accessibles. Et en même temps, il n'y a que du positif, parce qu'on révise ses points de grammaire et on apprend du vocabulaire. Donc voilà, moi, je te fais des clap, clap, clap aussi. C'était une très bonne prestation. Donc, bah, félicitations. Très bon premier passage. Tu vas mettre la pression à tous ceux derrière. Oh non, quand même pas. Non, c'était très bien. Félicitations. Omedeto gozaimasu. Et du coup, bah, je pense que je vais pouvoir faire passer la personne juste après toi. Je te remercie encore de t'être proposée. J'espère que ça t'a plu et que ça te donnera potentiellement envie de revenir pour une autre traduction. Mais si c'est le cas, sache que tu es évidemment la bienvenue. Merci. De rien. Bon après-midi à toi. Et puis si tu continues à suivre le live, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as. À un moment, si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas.
Ok. Aïe, ja, matane, à la prochaine. Ah là là, parfait, parfait. J'ai rien dit. Trop forte, mais ouais, elle a géré. Hein. C'était nickel. C'était très très bien. Moi, je vous dis, en tant que prof, j'ai même plus quelque chose à faire. C'était bon. Donc, on passe à la personne suivante. La personne suivante, c'est du coup Astaro-san. Pour ce petit passage, Astaro, est-ce que c'est bon? Je peux te faire passer? Dis-moi dans le chat si c'est bon pour toi. Le chat, est-ce que cette partie-là qu'on vient de traduire, c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Et si c'est bon, on passe à la suite. Sinon, on revient rapidement sur les points qui n'ont pas été compris. Hein. N'hésitez pas, je le répète, posez vos questions. Si vous en avez. Et bienvenue à merci beaucoup Hyudiko, je ne sais pas si tu es encore là, mais merci infiniment pour ton follow shite kurete. Arigato gozaimasu, sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Bon, ça a l'air d'être bon, pas de questions du coup. Astaro-san, je te fais venir. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Oui, juste un petit truc, je vais juste faire une petite modification. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je pense que le chat, vous pouvez me confirmer qu'on l'entend bien? Normalement, oui, vu ma barre, mais sait-on jamais. Si, je ne vous l'avais pas, au cas où. Je me rapproche peut-être un petit peu du micro. C'est bon, okay. On t'entend bien. Super. Alors du coup, moi, c'est la première fois que je te vois. Et du coup, bah, est-ce que tu serais capable de me faire une petite présentation? Alors, soit en français, soit en japonais. Tu dis ce que tu veux, sachant que le plus intéressant, c'est bah, comment on peut t'appeler et ton niveau plus ou moins, comment tu as appris le japonais et le niveau actuel que tu peux avoir. Mais si tu veux dire, t'aimes telle chose, tu peux aussi. Je pense que mon avis, je vais faire ça en français comme ça, ça pour être sûr que tout le monde comprenne en même temps. Et en même temps, je pourrais parler d'une manière plus facile. Et donc, pour... La manière pour nous m'appeler, je pense qu'Astaro, je dis pas non. Bah après, Asu aussi, c'est quoi? Ah, Asu. Parce que je sais que mon pseudo, je sais que le pseudo, il est un peu compliqué à appeler, à utiliser, donc. Donc je comprendrais. Et perso, je vis à Bruxelles, donc en Belgique. Oh, il est tellement belge sur ma chaîne, j'adore. Trop bien. La belgitude, d'accord. Ah, exactement. Et l'idée d'apprendre le japonais, forcément, je pense qu'une grosse partie, à mon avis, des gens qui sont ici, enfin, je suppose, c'est avec les animés, etc., animés, mangas et tout. Je suis assez fan de la culture japonaise et tout, et à partir de là, j'ai décidé de vouloir apprendre le japonais. Pour ça, j'ai commencé à suivre des cours en 2 du soir, en parallèle de mes études. Et actuellement, je suis en études supérieures. Ok. Et donc j'apprends, mais pour ceux peut-être que ça intéresserait qui sont à Bruxelles aussi, j'apprends mes cours de japonais à l'EPFC, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui s'intéressent. Et c'est donné en fait par des profs qui sont natifs en fait. Donc, c'est quoi. En dehors des cours, on a aussi parfois quelques réflexions sur la culture, etc. On peut apprendre des choses qu'on ne sait pas de base, en fait. Ça, c'est cool quand c'est des profs natifs, c'est que bah, forcément, ils vivent là-bas et ils peuvent vous raconter beaucoup plus de choses que des enseignants comme moi qui peuvent être français, enfin enseignante. Je ne suis pas officiellement, mais bon, bref, on a compris. Ou même si on vit au Japon, on n'est pas japonais. Donc, c'est toujours le petit bonus, ça fait plaisir quand on a cours. Ça, j'avoue, mais moi, j'aime bien ce côté-là. Mais aussi, le seul petit détail aussi, c'est que je ne suis jamais parti au Japon. Ok. Voilà, je pense que je vais avoir vraiment bien tout dit. Ok, et du coup, au niveau du JLPT, tu es à quel niveau? Est-ce que tu sais à peu près estimer? Franchement, j'ai un peu de mal à estimer parce que, par exemple, j'ai une fois checké un peu les concepts grammaticaux qui étaient vus. Bah, en soi, j'ai vu que. J'avais vu la totalité du 5, sauf une partie grammaticale. Ouais. Je vois que j'ai aussi vu des parties grammaticales du 4, donc j'ai un peu de mal en fait, à me suivre moi-même, en fait, quoi, dans quel niveau j'ai par rapport au JLPT. Ok. Mais j'imagine mon avis que... Tu as un bon N5 dans le N4, ouais, quoi, en cours N4. Oui. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Eh bien, écoute, enchanté. Les présentations sont faites.
Du coup, est-ce que tu as entendu les consignes que j'avais données à Père Jacques pour ton passage, justement, comment ça doit s'organiser? Oui, donc normalement, je lis une première fois d'un coup. Ensuite, après, je repasse ligne par ligne. Après, tu vois, pour traduire un petit peu comment sont les choses, etc. C'est ça, exactement. So dessiné. Et donc, au cas où, utilise-moi comme si j'étais ton Internet et que personne n'était là pour t'aider, à part Internet, qui est ton ami et le sera toujours, en cas de coup dur de traduction notamment. D'accord ? Mm-hmm. Du coup, bah, je t'en prie. Lis le texte à la vitesse que tu où tu te sens à l'aise et ganbatte kudasai. Arigato gozaimasu. Dewa hajimemasu. Hai. Alice wa me o pachikuri shimashita. Shiroi usagi wa chuppi chukki no naka kara toke o dasu to chirari to mite awatete kakete ikimashita. Nanda ka omoshiroso omoshiroso oikakeru to omoshiroi usagi wa okina ana ni tobikomi shimashita. Alice mo ana ni tobikomi mimasu. Ana wa fukakute gungun ochite ikimashita. Ton to tsuita tokoro wa hoso no nagai oku o hiroma de yoko ni wa doa ga takusan arimasu. Shiroi usagi no gata wa miemasen. Hai, otsukare sama deshita. Bien joué, très bonne lecture. Le chat, des clap clap pour cette lecture, c'était très bien. Omedetou gozaimasu. Alors, première question. Est-ce que là, comme ça, en l'ayant lu, est-ce que tu as compris quelque chose? Peut-être une action, tout. Peut-être les personnages qui sont dans des lieux, ou ce genre d'infos. Est-ce que tu as réussi à choper des infos? Oui, tout. Facile alors. Mais, en même temps, j'avoue que c'est encore sur la partie, on va dire, assez connue quand même du conte. C'est vrai. Comme on a les bonnes références, une fois qu'on a compris la trame, c'est plus accessible. J'avoue que hors sujet, et sans la liste de vocabulaire qui a été mise à côté, parce que j'avoue que sans la liste de vocabulaire sur le côté, il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas quand même, j'avoue. Ok. Bon, donc du coup, c'est cool, parce que même si t'as compris, au moins t'auras du vocabulaire en plus de par cet exercice. Donc ça, c'est top. Écoute, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du phrase par phrase. Alice wa meo pachiri... Alors, attends, je vois pas. Pachikuri shimashita. Alice wa meo pachikuri shimashita. Tu me le traduirais comment, ça, en français? Ok. Je pense qu'on peut traduire ça, disons que... Alice a ouvert les yeux, a écarquillé les yeux, on va dire, disons oui, ça. Exactement. Donc là, l'image pour le chat, l'image qu'il faut se faire, c'est vraiment, elle a vu ça, elle a fait « Ah, c'est quoi ?» Et puis elle est en mode « Surprise !» Et donc elle avait les yeux grands ouverts. Et donc la proposition que tu me fais en traduction est très joliment dite, donc c'est parfait. Niveau vocabulaire, les gens ici, c'est particuli, c'est le fait de cligner des yeux de surprise. Donc d'ouvrir grand les yeux, t'es là en mode quoi? Ça, c'est très stéréotypé dans les dessins animés, hein. T'es là en mode qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ça. Donc ça, c'est le mot le plus compliqué de cette phrase, donc essaie de le retenir, d'accord? La phrase suivante, du coup. Shiro usagi wa choki no naka kara tokei o dasu to. Chirari to mite awatete kakete ikimashita. Alors, un peu longue. Disons que dans ce cas-ci, le lapin blanc a sorti une montre de son gilet et l'a juste posé vite fait un œil dessus. Donc, ouais, et est parti de manière précipitée
Oui, exactement. Très, très bien. Voilà, la traduction, bon, t'as tout compris, ça se voit. Hein. Si je fais un peu plus littéral et un peu plus lentement pour que le chat ait le temps de noter. Donc, Shiroi Sagiwa, hein. Ici, on a le thème. Donc, on parle du lapin blanc. Choki no naka kara. Kara, c'est la particule de l'origine. Donc, depuis quel point d'origine Choki no naka, donc à l'intérieur de son gilet, il a fait quoi? Tokei o dasu. Il a sorti sa montre. Et ensuite, c'est suivi par to. Et ce ton, c'est un peu du conditionnel, mais en français, on aura tendance à le traduire par quand. Quand il sortit sa montre de l'intérieur de son gilet, ou il sortit, hein, ça aussi, c'est faisable, surtout pour une traduction libre comme ça, il n'y a pas de souci. Chirarito, mite, donc chirarito, chirari, c'est le fait de regarder brièvement. Genre, il l'a sorti, il l'a regardé, il l'a remis. Hein. Donc c'était très très bref, une très brève action. Et il l'a regardé, et awatete kakete ikimashita, et il est parti. En gros, voilà, il s'est précipité, et il est parti. Du coup, j'essaye d'expliquer plutôt que faire de jolies phrases, parce que la jolie phrase, c'est Asu qui nous l'a faite. Mais voilà. Est-ce que... Donc pour toi, j'imagine que ça va. Est-ce que le chat, vous avez des questions pour le moment? Cette phrase, grammaticalement, elle était un peu plus complexe. Donc s'il y a un point de grammaire où je suis passée trop vite, n'hésitez pas à poser la question. Faites un petit arrobase apprenons japonais. Comme ça, je vois les questions que vous me posez. Et j'en profite de faire une toute petite pause pour remercier toutes les personnes qui viennent de follow pendant qu'on faisait ce petit passage, notamment Sweet Candy et Lindsay. Merci beaucoup à toutes ou tous les deux pour vos follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et du coup, bah merci Dark Phoenix, je te redis les mêmes choses. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions sur le chat, du coup, on continue. Nandaka omoshiroso. Nandaka omoshiroso. Comment tu me traduis? Ça a l'air intéressant. Oui, exactement. Omoshiroso, ici, c'est l'apparence. Hein. Omoshiroi, le chat. Adjectif en i, qu'on a déjà vu pas mal de fois. Être intéressant, c'est intéressant. Et so, c'est l'apparence. Ah, ça a l'air intéressant. Ah tiens, ça a l'air intéressant. C'est que ce genre de traduction qui reflète bien l'idée. Ah, une petite question. J'ai un peu de mal avec kara. En fait, kara, c'est ton point d'origine. Donc, tu peux l'utiliser soit avec des mouvements, des déplacements, hein, dans le sens où tu dis je pars d'un endroit à un autre. Donc, le point A kara, le point B madé. Ou ça peut être aussi du temporel, de telle heure à telle heure. Une heure kara, deux heures madé. C'est vraiment, il faut t'imaginer un point de départ avec Kala et un point d'arrivée, Madé. Et c'est aussi bien temporel que spatial, du coup. Merci beaucoup pour vos follows. Hein. J'ai peur d'en oublier, mais merci pour tous les follows, c'est très gentil. Bon, ça a l'air d'aller. Jatsugi, Suzuki Macho. Oikakeru to Shiroi Usagi wa ookina ana ni tobikomi mashita. Comment tu me traduirais ça? Je dirais que lors de la poursuite du lapin blanc, celui-ci entra dans un trou. So. Et là, il te manque un tout petit truc, un petit détail. Attends, je vais juste relire ça. Dans un... qu'il a sauté en fait dans un grand trou en fait. Oui, exactement. Très très bien. So desu ne. Oikakeru to shiro usagi wa ookina ana ni tobikomi mashita. Donc là, tout le vocabulaire pour vous, le chat, hein, il est mis. Et donc, en le poursuivant, je pense que là, on peut le traduire comme ça. Le lapin blanc est tombé. On est sur du passé, hein. Mimashita. Mashita, pardon. Oui, c'est mimashita. Est tombé dans un grand trou. Okina ana. Ni particule de lieu. Bon, ça très bien. Pareil, je répète, hein, je répète beaucoup, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pareil pour toi, t'as pas l'air d'en avoir vu que t'as l'air de tout comprendre, mais au cas où si t'en as une, tu n'hésites pas non plus. Jatsugi, Alice mo Anani tobikomimasu. Alice aussi, en fait, a décidé de sauter aussi dans le trou. Sodesne, très bien, très très bien. Et donc là, le chat, faites attention, Alice mo, ici c'est la particule qui veut dire aussi. Hein. Alice aussi, Anani tobikomimasu, tombe dans le trou, hein, tout simplement. Elle saute, elle plonge. En fait, je traduis souvent par tomber, mais vu que c'est komu, tobi komu, c'est plus plonger ou sauter dans quelque chose. Donc, le lapin a sauté dans le trou, et Alice aussi saute dans le trou. Et c'est pour ça qu'on a une différence de temps. Hein. Le lapin, c'est du passé, et Alice, c'est du présent. C'est mas et pas mashita. Et donc, quand vous faites votre traduction, le chat, faites attention à votre temps. C'est souvent là où on se fait avoir, c'est qu'on oublie le temps de la phrase et on se sert que du contexte. Et en français, on dit « Ah, ça passe !» Mais dans le texte original, c'est pas toujours le bon temps. Donc, faites attention à être cohérent avec le texte. Et jatsugi, « Ana wa fukakute gun gun ochite ikimashita. » Sore wa dou desu ka ? Donc, le trou est profond. Oui. Et donc, Gungun, c'était quoi encore ? Et progressivement... Et en fait, j'imagine que c'est sûrement Alice, à mon avis, avec toute référence. Et Alice tombe progressivement, en fait, dans l'intérieur. Très bien, très très bien. Donc là, on a une petite forme suspensive. Anawa fukakute. On a fukai, adjectif en i, qui est mis en forme suspensive, et donc la forme suspensive des adjectifs, c'est en kute. On retire le i, on met kute. Ana wa fukakute. Donc le trou, le thème, hein, est profond. Et ensuite, on a une proposition qui est gun gun osite ikimashita. Et donc là, en fait, tu as fait une réflexion totalement naturelle qu'il faut se poser, que le chat vous conseille de vous poser, c'est qui fait l'action ici ? On n'a pas de particule. Évidemment, c'est pas le trou qui tombe. Ça c'est logique. Et donc en général, le thème sera dit avant. Soit une phrase avant, soit quelques phrases avant. Et donc là, le premier thème qui revient dans l'ordre chronologique des phrases, c'est Alice. Alice mo anani tobi komi mas. Et donc évidemment, là c'est Alice qui progressivement est tombée. Progressivement, elle est tombée petit à petit, elle tombe dans le trou. So, très bien, très très bien. Merci beaucoup. Alors, je fais une petite pause. Merci beaucoup, Dodi Frozy, pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu sur notre channel. Yokoso. L'ours stream, what the fuck, j'aime. Et déjà, yokatta desu, je suis contente alors. Donc, pour tous les nouveaux, comment allez-vous, d'où venez-vous et comment avez-vous trouvé le stream? Et actuellement, on est en train de traduire, vous le voyez dans le titre, hein, mais le conte d'Alice au Pays des Merveilles, du moins la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et coucou Mélanie Tendo! Ouais, je suis la famille! Comment tu vas, Mélanie? Voilà. Recommandation Twitch. Ah, merci Twitch, merci de me recommander. Merci de donner de la visibilité. Est-ce que ça va pour toi, Asu? On continue? Oui, pas de soucis, on peut aller. Et déjà, tsuzukimashou. Stan to tsuita tokoro wa hosonagai o hiroma de. Yoko ni wa doa ga takusan arimasu. Donc, avec légèreté, je pense à mon avis qu'elle a atterri avec Alice a atterri avec légèreté dans un immense hall d'entrée, un long et immense hall d'entrée, et que à côté, t'as quoi? De ce hall, elle a trouvé plusieurs portes. Oui, très bien. Le sens est parfait. Hein. Là, le petit détail, le petit point en moins que j'aurais pu te retirer, c'est parce que tu n'as pas respecté la proposition relative. Ici, ta phrase, ton thème, en fait, c'est Tokoro. Donc, l'endroit, c'est le grand hall large, long et large, dans lequel est arrivé. Dans lequel elle est arrivée légèrement. Mais ça, c'est pas grave, parce que dans une traduction,
On est assez libre, hein. Comme je le répète, on est sur Twitch, on s'en fiche. Mais c'est juste pour toi à l'avenir, fais bien attention quand t'as des propositions relatives, justement. On a tendance à oublier le vrai sujet et à réorganiser la phrase comme ça nous dérange. Mais là, le sujet, c'est pas Alice. C'est pas Alice, on dit pas Alice est tombée et c'est le sujet, Alice Wa. Mais c'est on parle du Tokoro. Tokoro, et à la fin, tu as Ohiroma De. De étant la forme suspensive de Death. Hein. Et après, tu as toute une description que tu as très bien traduit. Yoko niwa doaga takusan arimasu. Donc, dans cette pièce, hein, dans cet endroit, vu que c'est le thème, il y a beaucoup de portes. Doaga takusan arimasu. So desu ne. So so so. Très bien. Et du coup, la dernière phrase. Shiro usagi no... Oh, vas-y, je t'en prie. Pour après, en fait, stone to suita tokoro. Donc, on est bien d'accord que donc Tokoro c'est l'endroit, si on est d'accord. Et donc Tsuita, donc dans ce cas-ci, comment je pourrais te traduire en fait? En fait, Tsuita c'est Tsuku, donc arriver, l'endroit où elle est arrivée légèrement. Il n'y a pas le kanji, parce que dans On est des contes sur enfants, avec le kanji, tu l'aurais certainement repéré tout de suite. Donc Tsuku formenté Tsuita. Ah, okay. Donc là, c'est le verbe arriver, comme par exemple quand tu dis j'arrive au Japon, Nihon ni tsuku, Nihon ni tsukimasu, Nihon ni tsuita, pour du passé, ou Nihon ni tsukimashita, en fonction de si tu veux parler en neutre ou en poli. So desu. Et là, du coup, pour expliquer rapidement à tous ceux qui viennent d'arriver, tsuita, on est sur une forme neutre passé. Et quand on veut faire des propositions relatives sur un nom, autrement dit que l'on veut déterminer un nom, qu'on veut donner des informations dessus, on doit toujours mettre en forme neutre. Et donc on ne pourra jamais dire « tsukimashita tokoro ». Non, parce que la forme polie n'est pas acceptée dans ce genre de cas. Ce sera toujours une forme neutre. Après, le neutre, peu importe que ce soit du passé, présent, affirmatif, négatif, hein, ça dépend de la phrase que vous voulez dire. Et vous le mettez un peu comme un adjectif, il va qualifier le nom et être avant, à la forme neutre. Voilà. Je ne sais pas du coup ça, si c'est un point que tu avais déjà abordé, de faire des subordonnées relatives comme ça. Non, oui, c'était juste en fait que j'avais pas reconnu en fait le verbe. Le en verbe. Fait. Ok, ça marche. Parfait. Merci. Eh bien, avec plaisir. Et du coup, la dernière phrase. Shiro usagi no sugata wa miemasen. Donc littéralement, ce serait de dire que l'apparence du lapin. Et dans ce cas-ci, en fait, c'est plus en fait la signification de ne pas qu'elle ne voit plus en fait le lapin en fait. Je ne sais pas où il est passé. C'est ça, exactement. Sugata, c'est le lapin en fait. C'est no sugata. En français, on va le traduire par juste Shiro Usagi. Hein. Elle ne voyait plus le lapin blanc. Le corps, la forme, le lapin blanc, c'est le plus simple. So desu ne. C'est parfait, hein, tout ça. C'est très, très bien. J'imagine que sur cette dernière phrase, t'as pas de questions. Est-ce que sur le tout, ça va et est-ce que tu serais capable de me refaire toute la partie en français? Pas parfaitement, mais juste pour que tout le monde se remémore bien ta partie. Oui, donc... Alice... à ouvrir ses yeux à grand les yeux, on va dire, quoi, de surprise. Ouais. Et en voyant, en fait, le lapin qui a sorti de son gilet une montre, qu'il regarda brièvement, et ensuite se s'en alla de manière précipitée. Mmh. Le lapin, en partant, décide de... En partant, saute en fait dans un énorme trou, et Alice, d'accord, décide de le poursuivre et de sauter également dans ce même trou. Ce grand trou en fait, qui en fait est beaucoup plus profond en fait, qu'elle le pensait, et qui va l'emmener donc dans un autre endroit. Et cet endroit est en fait un immense hall bien long et large. Et dans ce long couloir, en fait, juste à côté, se trouvent en fait plusieurs portes. Et à partir de là, en fait, Alice ne retrouve plus en fait le lapin qu'elle avait suivi.
C'est très bien, très très bien. Nickel, j'ai rien à dire. Le chat, je pense qu'on peut faire des claps, claps, claps pour la performance de Asus. Ah, c'était très bien, nickel. Franchement, 20 sur 20. Vous êtes trop fort aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai rien à faire, je bosse pas. Laissez-moi travailler. Non, c'est très bien, je rigole, mais c'était très bien. Voilà, je n'ai pas de remarques spécifiques à te faire parce que... Bah, tu as fait ça très bien. C'est toujours la même chose. À chaque fois, dans les mêmes traductions, vous bossez bien. Alors, à pas dire bossez bien, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, bah, félicitations à toi. Bienvenue, du coup, parmi nous. Et puis, bah, j'espère que ce passage te donnera envie, une prochaine fois peut-être, de revenir et de retenter ta chance sur un autre texte. Pourquoi pas la suite? Pourquoi pas l'opening si on arrive au 1750? En tout cas, tu seras également le bienvenu. C'était très plaisant de faire cette partie avec toi également. Merci. Avec plaisir. Une fois, j'espère. Oui, je l'espère aussi. Merci à toi d'être passé et puis ben au plaisir de te voir dans le chat du coup. À la prochaine. À la prochaine, désolé. Bye bye, il y a pas de souci. Matane. Ah, trop bien. Deuxième partie pareil, vous êtes trop doués. Vous êtes trop doués, qu'est-ce que vous voulez? Je vais profiter du coup. Merci beaucoup Molly Popper et Logan, j'imagine, pour votre follow. C'est très 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 gentil. Follow shite kurete arigato gozaimasu, sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Bye bye au cas où à tous ceux qui doivent partir. Merci d'être passé. Tout sera en rediff sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez savoir la suite et regarder un peu le vocabulaire. Et pour les subs, évidemment, vous aurez tout ça disponible sur le channel. Je rattrape un peu le chat. Je vais comme quelqu'un qui mange son repas à 23h. Oh non, Mélanie. Ouais, mais tu manges un bon repas, donc ça compense. Là, mais c'est ça. Mais pure doupe, tu lis dans mes pensées. La base quand on est au Japon. So desne. L'erreur aura été d'appeler ma mère à 20h30. Ah, les mamans, elles savent comment nous tenir au téléphone. Et tu peux pas raccrocher, c'est ta maman. Tu peux pas. Ah, sonne, clap, 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 clap. Ben ouais, non, SVM, je bosse pas, j'attends que tu viennes. Je sais pourquoi j'ai dit oui, parce que je savais que j'allais bosser avec toi. Non, je rigole. Attends, tu auras du travail avec moi. Là, je veux. Du coup, il y a Wasabi qui passe pour le dernier, j'imagine. Je sais pas. Wasabi, mets-moi dans le chat si tu veux passer ou pas, que je sache si le septième tapot t'est réservé, au cas où. J'ai la pression, mais non. Il y a 10 niveaux. Mais oui, c'était de très bonnes traductions. Je vais y aller. Ça fait beaucoup d'infos. Pour un coup, je recommence à fatiguer. Je vais devoir reviser mes canas. Bon live. Merci à toi, Sky Willy, pour ton follow, d'être venu, d'avoir participé. Et pareil, si tu as des questions et si tu regardes le replay, n'hésite pas à envoyer tout ça sur Discord. Hein. C'est fait pour. Et je serai ravie de répondre à tes questions à ce moment-là si besoin. Petite question, comment peut-on s'entraîner pour débuter afin d'acquérir une base de japonais? Merci. Alors, s'entraîner à quoi? À la grammaire, à la lecture, à l'oral? Ça dépend. Un texte à lire est assez, comment dire, passe-partout dans le sens où vous allez travailler aussi bien de la grammaire que du vocabulaire, que votre compréhension de l'écrit, mais vous ne travaillerez pas de l'oral. Et donc là, il faut trouver autre chose pour travailler l'oral. Et en général, ce qui est bien, c'est d'avoir un site multiple où vous pouvez d'abord écouter pour essayer de comprendre et travailler votre expression orale, enfin votre compréhension orale. Et une fois que vous l'avez écouté, le lire. Comme ça, vous comprenez un peu mieux. En général, c'est comme ça qu'on sait à peu près faire ça. Mais c'est pas évident, même pour moi. Hein, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai pas la recette magique, mais déjà ça, prendre des cours, suivre des cours, ou être autodidacte avec des vidéos, bah, la chaîne Twitch par exemple, ou des manuels, et essayer de mettre en pratique à l'écrit ou à l'oral, à travers des textes, des expressions. Mais les expressions, il faut se faire corriger, donc c'est pas toujours évident. Bah, on m'a dit que je passais en dernier. Oui, ça va, parfait. Alors, Wasabi, tu es sur le dernier diapo, je te note comme ça. Hop, tout le monde est pris. Parfait, c'est vrai. Je t'invite à rejoindre Discord, il y a plein d'astuces et d'outils pour apprendre le japonais. Et si tu veux un manuel, n'hésite pas à choisir celui dès qu'il y a un dit. Oh, trop chou, Shania! Arigato gozaimasu! Labu labu! Trop gentil. Alors.
Est-ce que, avant de faire venir Isa, est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Taijobudeska? Minnara. Merci encore hein, pour tous vos follow. Les petits bits qui ont pop pendant le live, ça me fait super plaisir, c'est très gentil. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir questions. Isa, est-ce que je peux te faire venir en live? Est-ce que tu es sur le live ou pas? J'ai une question, c'est normal d'avoir peur? Je te fais si peur que ça? Bon, je sais que, bon, physiquement, on peut au début dire « Ah, c'est quoi ça ?» Mais bon, t'as l'habitude maintenant, non? Merci beaucoup, Madine Kila, pour ton follow. C'est très, 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 trop, trop, trop gentil. Follow, je t'écoute, arigato gozaimasu, notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Oh, ok, je te fais venir alors. Coucou, Isa! Coucou! Ça va? On m'entend? Oui, ça va. Je pense qu'on t'entend, le chat. Est-ce que vous pouvez confirmer si on, les réglages sont bons? Apparemment, on t'entend. Alors. D'accord. Même question, enfin du moins même demande que pour les deux personnes qui sont passées avant. Est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement pour que le chat sache qui va essayer de traduire cette partie? Voilà, bah alors bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle, et puis je vais tenter de lire cette partie de texte. Je suis plutôt débutante, niveau N5, j'ai pas encore fini le programme, mais je suis en cours de route. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, ça me convient. Hein. Voilà, comme ça tout le monde sait à peu près le niveau que tu peux avoir. Et peut-être que ceux qui hésitent se diront « Ah ben oui, ben, finalement j'ai pas peur, tout le monde peut le faire. » J'ai peur aussi, mais je me lance. Il n'y a aucun problème. Merci Isa, merci. Arigato gozaimasu. Ça fait peur, mais c'est marrant en même temps. Oui, et puis je suis gentille, je ne vous mange pas encore. Pas encore. Non, pas encore. C'est ça. C'est vous avez un peu de répit. Oh là là. Alors du coup, pour ton passage, alors c'est peut-être le plus long, mais pas forcément le plus difficile au niveau du vocabulaire. Comme d'accord. Tu peux le voir et comme le chat peut le voir, hein, il y a très peu de mots de vocabulaire. C'est vraiment... rares sont les mots difficiles, surtout que, bon, si je te fais passer sur celui-là, c'est que je pense que tu as les connaissances hein, des mots que je n'ai pas mis. Dans tous les cas, en traduction, je te les donnerai si besoin. D'accord. Tu vas premièrement lire le texte à ton rythme. Vraiment, tu prends ton temps. Si tu butes et que tu veux recommencer ta phrase, tu as le droit. Vraiment, ne te sens pas obligé, en tout cas, de lire rapidement, efficacement ou parfaitement. Non, même moi, je bute. Donc, voilà. Et du coup, bah, dès que tu le sens, je te laisse commencer à lire ce texte. Et ganbatte kudasai. D'accord. C'est la première fois, il y a un temps de latence entre le live et... Oui. C'est pour ça. D'accord. Alors, je te conseille de mute le Twitch et de juste... C'est ça, d'être avec moi sur le Discord. Ça sera plus simple. Sinon, ouais, il y a trop d'infos vu qu'il y a de la latence. Ok. Moi, je vais commencer à lire. Hai, dozo. Gambatte kudasai. Arigato gozaimasu. Alors... Hiroma no mannaka no teburu no ue ni kiniro no chisana kaki ga arimashita. Yoko no chisana doa o akete miruto doa no mukou ni kirei na niwa ga miemashita. Demo ドアからは、アリスの頭も通りません。その時、テーブルの上の小さな瓶が見えました。それには、私を飲んでと書いてあります。窒息飲むと、アリスはピュンと
chisaku narimashita. Table no shita ni keiki o mitsukemashita. Keiki ni wa watashi o tabete to kaite arimasu. Taberu to kondo wa gunto ookiku natte shimaimashita. Kore de wa chisana doa o toremasen. Hi, otsukare sama deshita. Les gens, plein de clap à clap, sa lecture était excellente. Excellente. Tu merci. As très bien lu, ton rythme était parfait et je craque sur ton accent japonais. Ta voix est trop cute quand tu lis japonais, j'adore. J'ai savouré ce moment d'écoute. C'était très bien, très très bien. Bon, j'ai rien à te dire. J'ai pas tout compris, mais ok. Ça, je me doute, t'inquiète pas, c'est normal. Mais en tout cas, niveau lecture, clairement, c'était très très bien. Ah, merci, merci. Wasabi. Le beat du clap, clap, clap. Merci, Wasabi. Arigato gozaimasu. Non, voilà. J'ai rien à te reprocher. C'était vraiment très bien. C'était très bien. Bon, juste c'est bien. Voilà. J'ai arrêté, voilà. Je me répète pour dire la même chose. C'était très, très bien. Au niveau traduction, maintenant, on va faire du coup du phrase par phrase. Encore une fois, je me répète. Ah, merci, Shania. Elle te souhaite, elle te dit bien, elle te dit bravo. Bravo, merci, Isa. Merci, Shania. Arigato ne. So desu ne. Et konnichiwa à tous ceux qui viennent d'arriver, du coup. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, niveau traduction, donc tu vois, je t'ai mis quelques mots. Oui. Ceux qui me paraissaient vraiment les primordiaux, hein, les plus essentiels. Et donc, ce qu'on va faire, comme pour les autres personnes, je vais lire une phrase. Et une fois que je l'aurai lue, soit tu la traduis parce que tu as plus ou moins compris, soit il te manque quelque chose. Et dans ce cas, tu m'utilises comme étant Internet, hein, c'est comme si tu étais Internet, pour chercher ce sens-là. D'accord. Oui. Ah, merci beaucoup Moaka TV pour ton follow. Follow してくれてありがとうございます sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Allez, on commence la traduction. Hiroma no mannaka no teburu no ue ni kiniro no chisana kagi ga arimashita. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, au centre du hall, de la salle d'entrée, sur une table qui se trouve au centre d'une salle. Oui, très bien. Alors, il y a une petite clé. Il y avait une petite clé dorée. Ah, c'est parfait. J'ai bien compris. Exactement. Ah, ça, très très bien. Alors pour le chat, je détaille. Hein. Là, on a une grande proposition déterminante en no. Hein. Hiroma no mannaka no teburu no ue ni. Ni étant une particule de lieu, vous remontez de la fin jusqu'au début pour avoir au-dessus de la table, du centre de la pièce, et la pièce ici étant le hall, la salle d'entrée. Hein. Et donc dans cette pièce-là, il y a quelque chose, hein, ga arimashita, et ce quelque chose c'est kiniro no chisana kagi. Donc une clé, une petite clé dorée, de couleur or, kiniro. Très bien, ta traduction Isa était parfaite, hein, c'est parfait. D'accord. La phrase suivante du coup. Yoko no chisana doa o akete miru to, doa no mukou ni kirei na niwa ga miemashita. Ok, la deuxième partie je comprends. La première partie j'ai un doute. Yoko, je ne sais pas si ça veut dire à côté. Oui, c'est ça, à côté de. Yoko no chisana toa à côté d'une petite porte. Je connais pas la forme temiru. Ah, temiru, en fait, c'est une forme qui veut dire essayer de faire quelque chose. Ah, à côté d'une petite porte. Mais alors, non, la phrase. Elle est complexe parce qu'il y a plein de déterminations. Il faut essayer de la découper. Yoko no chisana toa o akete miruto. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye quelque chose à côté d'une petite porte. Enfin, c'est ce que j'ai compris. En fait, c'est là, on a une chose. Juste avant, c'est on te parle d'une clé. Donc, yoko no chisana doa. La petite porte à côté. Et à côté, c'est à côté, j'imagine, de la clé.
parce que c'est ce qu'on en parle avant. Ah, du coup, à côté de... Ouais, d'accord, de la clé. Donc, là, à côté de la petite porte, et donc cette porte-là, en fait, c'est lié au verbe « akeru ». Le souci avec cette phrase, c'est qu'elle est très japonisante, donc nous, on va être obligés de la franciser, et je pense qu'on serait obligé de rajouter des verbes, hein, tu vois, à côté d'eux. Elle est à côté d'eux, ça, on va essayer de que ça passe bien dans la traduction. Donc, akete miru, tu l'as dit toi-même, essayez d'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie d'ouvrir ? C'est la porte. C'est la porte. En essayant d'ouvrir la porte, de l'autre côté de la porte, il y a un joli... On pouvait voir un joli jardin. Oui, c'est excellent. Très, très bien. Très bien. Niveau traduction, c'est parfaitement ça. Donc là, je décortique un peu pour le chat. Hein. Donc, yo kono chisana doa o akete miruto. Quand on essaye d'ouvrir la petite porte à côté, doa no muko ni, donc muko, hein, c'est de l'autre côté de la porte, ni particule de lieu, qu'est-ce qu'il y a ? Kirei na niwa, un joli jardin, ga miemashita. Et donc là, tu m'as mis un potentiel qui est très bien parce que c'est la notion que a ce verbe miemas. Hein. C'est miru, miru koto ga dekiru, miemas, mielu, est visible. On peut voir. Elle a pu voir, parce qu'on est sur du passé. Elle a pu voir un joli jardin. Très bien, très très bien. Alors, je réponds à une petite question dans le chat. Chisana, ce n'est pas adjectif en i. Donc en fait, chisai et okii. Ce sont deux adjectifs qu'on peut souvent voir en na. Alors, personnellement, je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi na et pourquoi pas i. Je me suis fait à l'idée que c'était plus ou moins la même chose et que peut-être c'était plus stylistique comme choix. Après, si dans le chat des personnes savent pourquoi des fois on met na, des fois on met i, je suis preneuse parce que j'ai jamais forcément cherché et on ne m'a jamais forcément dit non plus la raison. Donc, Su-chan, je ne peux pas trop répondre à ta question. La seule chose que je peux te dire, c'est que les deux versions existent. Et merci beaucoup, du coup, Akibara Kusetsu, Miku Mizuki 21 et Mahiro Wao pour votre follow. Ah, vous trois, c'est trop gentil, vous êtes adorables. Follow shite kurete, arigatou gozaimasu, notre channel Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Merci, Sensei. De rien, de rien. J'essaierai de trouver... Si ça peut aider, parce que même moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vraiment, il y a une notion supplémentaire ? J'ai un doute. Je ne suis pas sûre. Ça peut être historique, non ? Peut-être certainement. C'est utilisé avec certains mots et pas d'autres mots. Juste comme par habitude, je ne sais pas. Que c'est resté. Peut-être que dans le japonais classique, j'ai pas de souvenir de ça dans mes cours. Mais probablement. Ça serait assez logique, du coup. Il me semble que c'était un choix poétique, mais je ne m'en suis pas sûre. Ok. Naruhodone. C'est trop magnifique quand tu parles en japonais. Ah, yasashine, mina ganbarimasne. On fait de notre mieux tous pour essayer de parler joliment japonais. Est-ce que c'est bon pour toi pour l'instant, Isa ? On peut continuer ? Pas de question ? Oui, moi c'est bon. Et déjà, tsugi. Demo, doa kara wa, Alice no atama mo, torimasen. Donc, mais de la porte, à partir de la porte, à la tête d'Alice, alors Tooru, ne passait pas par la porte. La tête d'Alice ne passait pas par la porte. Oui, c'est parfait. Hein. Ouais. Ah, si, c'est ça. Hein. Des mots, mais. Doa kara wa, donc kara, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la particule d'origine. Donc, ce point de départ-là, de par la porte, hein, à partir de la porte. Et qu'est-ce qui se passe ? Alice no atama mo torimasen. Et donc là, en français, il te manquerait peut-être juste la petite notion de mot. On pourrait dire même la tête d'Alice ne passait pas. Ok. Je pense que. Bon, moi, c'est ce que j'aurais fait comme choix. C'est discutable, hein, mais pour avoir cette notion de mot aussi également, même la tête d'Alice ne passait pas. Torimasen. Tsugi, sono toki, teburu no e no chisana bin ga miemashita. Sono toki, c'est quoi, à ce moment-là ? Et, très bien, oui, sono toki. Ah, je connaissais pas. Ah bah voilà. Ok, je note. Sono Vas-y, toki. Je t'en prie.
Merci. À ce moment-là, après j'ai compris. À ce, toc, toc, toc. À ce moment-là, alors, temple no ue ni, alors sur la table, on pouvait voir quelque chose. Bin, c'est une fiole. Si oui, en fait, bin, c'est le terme général pour une bouteille. Donc là, évidemment, on a l'image du dessin animé et peut-être des dessins dans les contes. Donc, une fiole, je l'accepterais également parce que finalement, c'était une petite bouteille. Hein. Chisana bin. Donc, soit on dit une fiole, soit on dit une petite bouteille. Parce que fiole a la connotation de petit, de petite chose. Donc, ça me paraît très bien, très joliment dit, en tout cas, une fiole. So desu ne. Est-ce que tu peux la refaire juste une fois pour le chat, celle-là en français, d'une traite? Ah oui, oui. À ce moment-là, sur la table, on pouvait apercevoir une fiole. Oui, so. Là, pareil, si on veut être plus proche du texte, c'est pas tebulu no ue ni, mais c'est tebulu no ue no. Chisabinga miemas. Donc, on peut voir une petite bouteille au-dessus de la table. Mais je crois que c'est plus ou moins ce que tu avais dit. Donc, je chipote. Hein, mais, d'accord. Non, mais j'avais pas remarqué cette petite différence. Ça se trouve, t'as dit la même chose. Mais bon, comme j'ai un doute, je préférais le repréciser. Non, t'as raison. Dans ma tête, c'était ni, mais je savais pas. No et no. Okay. Mais en français, la traduction, finalement, se rapprochera quand même d'un ni parce qu'on peut pas trop mettre de détermination. Donc voilà. じゃあ続きましょう。それには私を飲んでと書いてあります。それには on va dire de ce fait, il y avait écrit quelque chose. Il y a écrit buvez-moi. Oui. Il était écrit buvez-moi. So. Et donc là, fais attention. Hein. それには c'est ni du lieu et le solé est un démonstratif. Et qu'est-ce qu'il montre ce démonstratif? C'est la petite bouteille, hein, c'est la fiole. Donc sur cette viole finalement, solé ni wa watashi o nande to kaite arimasu. Il est écrit buvez-moi. Sur la fiole, d'accord. So, exactement. Alors là, j'ai une petite question au niveau de la grammaire. Ce te alimas, ce te ale, est-ce que tu sais ce qui signifie? Kaite. Non, je t'avoue, je ne sais pas. Alors, te alu. Oui. Pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas trop voir parce que c'est très implicite, en fait. En français, là, on va juste dire il est écrit. On n'aura pas de traduction, on ne va pas le traduire. Mais en fait, ce te alimas, c'est un te alu de l'état. C'est comme du te ilu. Donc, on décrit quelque chose, là, il est écrit quelque chose. Et la notion. De cacher hein, de ce théa alimas, c'est que quelqu'un l'a fait pour quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un a écrit, sous-entendu, ce watashi o nande. Et ce théa alimas, ça appuie sur le fait qu'une troisième personne ait fait l'action d'écrire. On utilise souvent théa alimas, par exemple, pour dire un exemple. On a posé la robe sur mon lit, imaginons, hein, genre ma maman, elle a posé ma robe sur mon lit. Et ben là, on dira Beddo no ue ni doresu o oite arimasu. Parce que ça sous-entend que quelqu'un l'a fait. Que d'accord. C'est un état, on décrit. Exactement, on décrit, hein, comme Teiru, un état qui est ici, donc une description globale de la robe est posée sur le lit. Et le te'aru va sous-entendre que quelqu'un l'a fait, que quelqu'un a fait l'action. Une troisième personne qu'on ne connaît pas forcément ici l'identité, par exemple. Oui. Donc, retenez, aussi bien toi que pour le chat, hein, te'aru est de l'état et elle a une connotation de quelqu'un a fait l'action. Mais faites attention parce qu'on ne va pas dire quelqu'un a écrit. Non, on va dire il est écrit parce que ça reste de la description, ça reste de l'état. Mais il faut toujours avoir cette petite notion en tête de te'aru. Pourquoi on met te'aru et pourquoi on met pas te'ilu? Parce que quelqu'un a fait l'action. Voilà, ça c'était d'accord. Le petit point de grammaire qui n'est pas toujours évident, qu'on a tendance à un peu survoler parce que on décrit, c'est tout. Mais comme ça, vous savez la petite nuance supplémentaire. Moi, je veux de la grammaire. Oui, vive la grammaire. Je veux des clap pour la grammaire. C'est difficile. Est-ce que c'est bon pour toi? On peut continuer?
Oui, un peu. Ah, じゃあ続きましょう。早速飲むとアリスはキューンと小さくなりました。Alors, sasoku immédiatement, ok. Sasoku, non, des, une fois, immédiatement, enfin, après avoir bu, juste après avoir bu, Alice, alors, Kim, je crois que c'est peut-être un onomatopée. Tochi sasoku narimashita. Ah, elle est devenue petite. Oui, c'est ça. Donc là, les Japonais adorent les onomatopées, les petits bruits insérés comme ça. Kim. Totisaku narimashita. Nous, en français, on n'a pas ce genre de onomatopée pour transcrire une action. Donc, je pense qu'on serait obligé, en tout cas, moi, je n'ai pas d'idée pour garder ce bruit-là en français. On serait obligé de dire Alice est devenue a rétréci. Je ne sais pas dans le chat, ou même toi Isa, si tu as une petite idée de, en français, comment on pourrait retranscrire ce son. Mais je prends toutes les propositions, je ne suis pas très douée pour retranscrire les onomatopées. Mais à votre avis, sonne, pshu, pshu. Alors on propose wush. C'est pas facile. Wush. Non, pas vous. Fiu, peut-être fiu. Alice. Ouais, facile. Ouais, et je pense qu'en français, on serait peut-être obligé de le mettre au début. Fiu! Alice a rétréci. Alice a rapetissé. Ou quelque chose de style. Mais c'est compliqué. Hein. Ça, dans les traductions, on en parlait il n'y a pas longtemps dans mes séminaires. Les onomatopées en japonais, c'est relou. C'est vraiment très relou. Donc ouais, peut-être un. Fiu! Avec des trois petits points. Alice rétréci. Ou les a rétréci ici, vu qu'on est sur du passé. Redésolée, un tremblement de terre a failli faire tomber ma maison. Mélanie, elle va mourir. Un jour, Mélanie, on va m'appeler en mode bah, votre pote, il y a eu un séisme, elle est plus là. Quoi ? Non ! Rentre à la maison. Sacré Mélanie. C'était un petit truc quand même, parce que s'il a fait tomber ta télé, c'est que c'était chaud patate, non ? Oh ! Mais c'est trop chou, merci beaucoup, Mizuki. Oh, Mizuki, elle follow. Et au bout de 10 minutes, ça y est, elle est conquis. Prime. Alors là, je veux des clap dans le chat. Clap pour Mizuki. Merci beaucoup pour le Prime, c'est trop gentil. Antoni, arigato gozaimasu. Mais tu vois, tu devrais faire ce format assez souvent. Ouais, mais ça prend trop de temps. J'imagine. Mais j'adore aussi. Et c'est pour ça que je fais ça en follow goal. Parce qu'au moins, ça a l'occasion quand même de le faire. Et ça vous fait une récompense. Parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment bien ce genre de live. Ah, donc c'est il, pardon Mizuki, excuse-moi, ça sonnait très féminin pour moi, désolée. Il est sur le Discord. Promis, c'est pas ma fille qui a ça. Oui, bah oui, sans dessiner. Donc voilà, si le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, je pense qu'on va pouvoir continuer. Magnitude 5 ? Bah, un petit peu. Mélanie, elle va pas survivre à son année. Ganbaro. Donc, la suite. Table no shita ni keiki o mitsukemashita. Comment tu traduirais ça? Ok. Alors, table no shita ni, sous la table, keiki o mitsukemashita. On pouvait voir un gâteau. Alors, mitsukeru. C'est le verbe trouver. Mitsukeru. C'est vrai que j'aurais dû le mettre. Je n'ai pas pensé, c'est un verbe important. Mitsukeru ichidan. Trouver. Ok. On pouvait trouver. En trouver ouais. Un gâteau, ouais. So. Alors là, fais attention, hein. On a une forme en emas, mais ce n'est pas du potentiel. Hein. C'est bien un verbe juste en eru. Donc, elle a trouvé un gâteau en dessous de la table. Donc là, on refait le schéma pour tout le monde. Elle est arrivée dans le hall. Dans le hall, il y avait une clé. Et à côté de la porte, en regardant à travers la porte, elle a vu qu'il y avait un beau jardin. Mais sa tête passe pas. Et à ce moment-là, sur la table, on a une petite bouteille. Et sur cette petite bouteille, c'est marqué buvez-moi. Donc elle l'a bu. Elle a rétréci, et là on arrive à ce moment-là, et en rétrécissant, elle voit quoi ? En dessous de la table, un gâteau. Et la suite, keiki ni wa watashi o tabete to kaite arimasu.
Alors, voyons voir. Quelqu'un qui voit le gâteau, sans le gâteau, watashi o tabe de mangez-moi. Il était écrit, ouais, il est écrit mangez-moi sur le gâteau. Exactement. Donc là, c'est la même structure. Hein. Sur le gâteau, keiki ni wa watashi o tabete o to kaite arimasu. Il est écrit mange-moi, mangez-moi. Très bien. Phrase suivante. Taberu to kondo wa gun to okiku natte shimaimashita. Alors, taberu to kondo, cette fois en le mangeant. Ouais. Kun to okiku na natte shimaimashita. Alors, et se remis à grandir. Oui, c'est ça, exactement. Donc je là, pas la forme, mais ouais. Bah, justement, j'allais la décrire. Donc encore une fois, on a un onomatopée, hein. Goon, goon. Ça, même moi, hein, inconsciemment, c'est goon. Je me grandis goon. Alors que l'autre, c'était kyun, kyun. C'est un son plus petit, donc kyun, goon, kyun, goon. Le k est plus petit, le g fait un effet plus grand. Et en français, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être boom ou je sais pas. Quand on grandit en mode... Parce que phew, c'est rétrécir, mais grandir, on le retranscrit comment? Telle est la question. Et au niveau de la forme grammaticale, hein, verbale, okiku, oki, adjectif en i, plus oui. Naru, pour la transformation devenir, qu'on doit mettre en t, hein, donc en ku, pardon, okiku na te, shimaimashita. Shimaimashita, j'imagine que c'est peut-être ça, surtout que tu n'as jamais vu. Jamais vu encore. Donc, shimaimashita, il y a plus ou moins deux interprétations. Shimau, de manière générale, c'est... on peut retranscrire le regret. Par exemple, keiki o tabete shimatta. Mince, j'ai du regret, j'ai mangé le gâteau. J'aurais pas dû. Mais aussi, une autre façon de l'interpréter, c'est quand on a fini quelque chose et que ce quelque chose ne peut plus être changé. Et donc, c'est pour ça qu'on y ajoute souvent une notion de regret parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et donc là, c'est surtout ça, hein, qui est mis en avant, même si on peut avoir ce regret parce que, bon, la suite, on le verra, mais il se passe quelque chose. Ben, si vous avez le conte en tête, vous savez. Hein. Donc là, c'est vraiment genre, elle a grandi dans le sens où elle peut plus. C'est comme si elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle est grande et c'est tout. Elle ne pourra plus redevenir petite. D'où le te shimaimashita, parce que son état est irréversible, en fait. C'est quoi? Et on peut y intégrer, plus ou moins, en fonction des versions, un petit peu de regret, en mode « zut, elle regrandit ». Non, zut, je pense que dans un conte, ça pourrait paraître bien, même si ça ne remplace pas le « goon », ça fait un peu plus de rythme dans la phrase, et zut, elle regrandit à nouveau, ou elle fut grande. Là, je pense que quand on dit « okiku na te shimaimashita », c'est pas juste « elle a repris sa taille », c'est « elle est devenue plus grande ». Elle a vraiment grandi. Je ne sais pas si vous souvenez du Disney, mais c'est soit elle est toute, toute petite, soit elle est super, super grande. Et du coup, ça pose problème. Je regarde un peu cette phrase, mais je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire. Hein. Taberu to, le même to que tout à l'heure, hein, quand, le conditionnel, quand elle fait ça, kondo wa, il se passe quelque chose, et c'est gun to okiku natte shimaimashita. So desu ne. Je regarde un peu le chat pour voir s'il y a des questions. Oui. Magnitude 6, mais Mélanie, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je m'en vais ramener mon paquet de pâtes. Non, ah non, nadé, Mélanie, envoyez des cocolo à Mélanie. Elle a besoin de force là. Oh non, attends Mélanie, je t'envoie des cocolo. Oh non, je veux une vague de cocolo pour le moment difficile que Mélanie est en train de vivre. Ah, bah dans ta checklist de mes expériences dans la vie, vivre un séisme, tu l'as coché. Dis-toi ça. Oh, Mélanie-chan, ganbatte kudasai. Ganbatte, so desu ne, ganbatte. 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 On peut échanger de place si tu veux, je suis dans la magnifique ville de Valenciennes. Mais eh oh, S-Juive, je suis là, elle peut être que magnifique cette ville. Ok, si j'étais pas là, je dis pas, mais je suis là. Labu, Mélanie, labu. Ah, décidément, au moment où elle vient, il se passe ça. C'est la poisse, c'est pas possible. Ah, merci les gens, je vous aime tous. C'est peut-être mon dernier message. Ici, dis pas ça, porte pas la poisse. Ne porte pas la poisse. Non.
Non, non, non. じゃあ次に行きましょうか。これでは小さなドアを通りません。ああ、これではす。C'est à partir de là. Oui. J'ai pas très bien traduire en fait. Moi aussi, c'est très bien ce que tu as dit. Ok. Chisana doa. Ah, elle peut plus passer par la petite porte. So. Parfait. Okay. Donc là, grammaticalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Chisana, adjectif. Chisai, chisana, petit. La porte et le verbe tōru qui veut dire passer. Et là, on est en forme potentielle de tōru, tōremasen. Elle ne peut pas passer. C'est très bien. Mmh. Alors, Isa, pareil, les gens, je veux des clap-clap pour Isa parce que c'était le passage le plus long. Pas forcément le plus difficile, mais tu t'es vraiment très bien débrouillée. Et, très bonne lecture. C'était un très bon passage. Tu peux être fière de toi. C'était très, très bien. Clap-clap-clap dans le chat. C'était très très bien. Alors, j'en profite pour faire la promo. De temps en temps, Isa risque de faire des activités. Donc, si des activités vous intéressent et qu'un jour elle a de la place, bah, n'hésitez pas à la contacter. Je dis pas de bêtises, Isa. Ouais. Voilà. Non, je dis pas de bêtises, pardon. C'est Isabelle sur Discord. Elle fait partie du membre de staff avec la notion animation, animateur. Donc, vous pouvez pas la manquer. Elle est en violet tout en haut dans le Discord. Clap, 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 oui, bien joué, bien joué. Merci bah écoute, beaucoup. Isa, voilà, j'ai pas grand-chose à te dire parce que c'était très bien, donc continue comme ça. T'es sur une très bonne progression en japonais, donc ne lâche pas. J'espère que ça t'a plu de venir faire ça en live, que ça t'a pas trop stressé. J'ai adoré. Et que... non, j'ai adoré. Yokata. Je stresse là, mais j'ai adoré. Ah, bah je suis contente. Bah du coup, bah, comme tous les autres, tu seras la bienvenue si pour une autre traduction en live, tu veux venir, et bah il n'y aura pas de souci. Voilà, tu es la bienvenue. Yokata, là, je suis trop contente. Merci. Bah, merci à toi et puis bah, bon après-midi et à tout de suite certainement sur le chat, hein, potentiellement. Bah oui, bon après-midi. Merci, bye bye, otsukaresama desu. Bye bye. Ah, trop bien, trop bien. Mais vous êtes tous trop forts à chaque fois. C'est... Franchement, félicitations tout le monde, félicitations. Alors, je rattrape le chat. Encore merci à Wasabi pour les petits bits, ça fait trop plaisir. C'est trop gentil. Merci pour elle. Je t'ai envoyé une vidéo sur Messenger, on entend ton stream en fond en même temps que tout tombe. J'ai peur, Mélanie, j'ai trop peur. Je regarderai ça après le live, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. Est-ce que pour l'instant, ça va pour tout le monde? On est plus ou moins à la moitié, mais est-ce que ça va? Je sais même pas, j'espère qu'on aura le temps, j'espère qu'on aura le temps de tout faire, c'est un long passage, j'avais hésité, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je suis zéro en japonais perso, je comprends pas grand chose, mais c'est pas grave, essaye! Alors pour ceux qui ne connaissent pas leur kana ou qui ne connaissent pas encore des points de grammaire, quand vous êtes dans ce genre de cours, essayez de retenir du vocabulaire, c'est la... Peut-être la seule chose que vous pouvez faire, et après, c'est de laisser votre cerveau travailler passivement, en mode j'écoute. Je retiendrai, je ne serai pas le ressortir, mais il écoute et il travaille tout seul, votre cerveau, et à un moment donné, vous allez le revoir, vous allez le travailler, vous êtes en mode « Ah mais oui, je l'ai déjà vu ça !» Et puis ça va rentrer beaucoup plus facilement. D'accord ? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, du coup, Purnou, je peux te faire venir, c'est bon ? Pour la quatrième diapo ? Daijoubi desu ka ? Oui, la mémoire, mais exactement. C'est ce que je fais écouter. Good job, Minasan. Good job. Je sais pas si je le fais venir, il sera dispo ou s'il l'est pas. Du coup, je demande, mais. Kikoeru kana? Watashi o kikoemasu ka? Pause bleue. C'est exactement ça. Bon, je le fais venir et on verra. Est-ce que je coupe dans une conversation? Yaho? Il est pas là. Alors, attendez. Ah, c'était là. Ah, c'était à moi, je pensais que c'était à S-Dream. Eh ben non,
c'est toi qui passes avant. Et Zoom, il passe après. Ok, bon. Bah, faisons ça. Coucou, du coup, j'étais un petit peu pris de court, mais... En plus, je posais la question, je suis en mode... Bah merde, il est pas dans son PC. Bon, j'étais plus du tout focus sur ce que je devais faire, mais oh, ok. Let's go. Quand batte kodasai. Petite jiko shokai, pour ceux qui ne te connaissent pas dans le chat, au cas où. qu'est-ce que je peux raconter de beau ? Déjà, coucou à tous. Je m'appelle David, alias Pure Noob, alias Purée, ou alias Japan Kanke, pour ceux qui me connaissent un peu. Et je suis viendu pour lire un peu. Et le niveau de japonais ? Et du coup, j'ai... Il faut parler du diplôme passé ou du niveau actuel ? Ma, yoho. Les deux, ok. J'ai passé le JLPT 2 en fin 2017, et je l'ai obtenu début 2018, mais comme j'ai arrêté mon apprentissage du japonais entre-temps, j'ai beaucoup perdu. Et là, je m'y remets tout doucement. Voilà, tout simplement. Parfait. Kanpeki. Bon, bah du coup, toi, tu as un peu plus l'habitude que les autres. Donc, bah, je te laisse lire ta partie. Et puis, comme je sais que t'es un grand enfant, tu vas savoir te gérer, vu qu'on l'a vu un peu ensemble avant. Ouais, bah, je vais essayer. Je suis pas habitué à la lecture, et encore moins à la verticale. Et je lis pas beaucoup, en fait. Donc, c'est un bon exercice pour moi. Donc, c'est cool. Aja, ganbatte kudasai. Gambalimas. C'est la partie avec Sekaku, hein, je me suis dit, désolé, hein, mais à coup de pas. Ok. Sekaku saki chisaku natta no ni Alice ga nakidasu to okina Alice no nagasu namida de ashimoto ni mizu tamari ga dekimashita. Sono toki ano shiro usagi ga hashitte kimashita. 大変大変遅刻だ遅刻だ大慌て大慌ての白ウサギは扇を落としたのにも気づかずに行ってしまいました私まで熱くなっちゃったわそうですねお疲れ様ですボーバJ'ai rien à dire aussi, c'est parfait. Hein. Moi, voilà, je bosse pas aujourd'hui. Et donc, ouais. Toi, vu que tu as un niveau plus important que les autres, est-ce que tu nous ferais la joie de, en plus de traduire, de nous décortiquer un peu grammaticalement cette partie ? C'est qu'il est bas. Ok. Il y a des trucs que je connais pas, donc je vais essayer. Comment dire ? Pour le sekkaku, sakichi sakunatta no ni, en gros, c'est genre pour exprimer un regret. Dans le sens où, genre, bah, juste avant, elle était redevenue petite. Genre, en fait, c'est... et dire qu'en plus, j'étais devenue... j'avais rapetissi. Donc, genre, elle est à regret. Elle est redevenue grande. Et en fait, elle était petite. Du coup, je pense que c'était une situation qui lui convenait bien. Donc, le sekkaku saki. Donc, saki, c'était genre juste avant. Chisaku natta noni. Donc, en plus, le noni à la fin pour dire genre... flûte, dire que j'étais j'avais rapetissi, fait chier littéralement quoi. Alice ga nakidasu to, donc nakidasu c'est se mettre à pleurer et le to c'est genre pour comment dire ça genre, en se mettant à pleurer voilà, il va se passer quelque chose derrière. Okina Alice no nagasu namida de ashimoto ni Mizu tamari ga dekimashita. Donc en gros, en se mettant à pleurer, il y a eu nagasu namida de ashimoto ni mizu tamari. Ok, ouais, donc il n'y a pas de sens de okina. Mais en gros, il y a une... comment je peux traduire ça ? Je réfléchis. Moi aussi, je réfléchis en vrai, parce que... En français, en fait, je trouve pas de bonne traduction. C'est le mizu tamari qui est ce genre une flaque d'eau, quoi. En gros, en se mettant à pleurer, toutes les larmes, en fait, avec toutes les larmes qu'elle a eues en pleurant, il y a une flaque d'eau qui est apparue ou qui s'est faite juste sous ses pieds. Littéralement, après. Littéralement, mais je pense que même traduction, ça passerait tranquille. Hein. En gros, voilà, comme elle était, j'imagine, grande, bah en fait, du coup, comme elle a grandi, bah elle avait, ses larmes ont été plus grosses et au final, elle était, littéralement, elle marchait dans une flaque d'eau. Quoi. So,
quand, je sais pas, quand Alice se mit à pleurer, donc cette dernière, donc la grande Alice, et c'était quoi ? No nagasu namidade, donc avec les larmes qui nagasu versées par la grande Alice, une flaque apparut, un dekimashita devant ses pieds. Avec les larmes coulantes de la géante Alice, une flaque d'eau se fit sous ses pieds. Et donc là, le chat, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui est compliqué dans cette phrase ? C'est pas le vocabulaire, mais c'est le Ookina Alice no nagasu namida. Ça, c'est pas très français. Hein, du moins, il faut qu'on. C'est les larmes qui ont coulé. C'est qui fait couler ces larmes ? C'est Alice. Donc, nous, en français, on serait obligé de reformuler. Hein, mais c'est toujours le même problème. Soit vous avez une proposition subordonnée, hein, en forme neutre devant un nom pour le qualifier. Et dans ce cas-là, il faut vous déconstruire la phrase pour essayer de faire une traduction sans oublier d'éléments et que vos sujets soient bons, que votre temps soit bon. C'est pas très français, normal, c'est japonais. Oui, bon, esbim. Je veux dire, quand on essaie de le traduire, ça fait pas très français quand on prend le sens littéral des phrases japonaises. Fais genre, t'as pas compris. mais voilà, grammaticalement, c'est ça qui pose le plus problème en général. Mais là, du coup, pour nous, ce que t'as dit, bon, j'ai rien à dire, j'aurais fait la même chose, donc c'est. Si tu le prends comme un bloc, le Ookina Alice no nagasu namidade, c'est. Avec les larmes versées par la grande Alice. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense même en français, on aurait tendance à... Vu qu'Alice est déjà dit au début, Alice ga, on aurait peut-être mis le Ooki plus sur les larmes pour dire que, bah, justement, comme elle est grande, ses larmes sont plus grandes. Et donc, c'est les larmes, les grosses larmes qu'elle a pleurées, qu'elle a versées. Je pense qu'un traducteur aurait évité de répéter le sujet et aurait juste donné la nuance sur les larmes. Comme ça, ça aurait. On précise bien que ces larmes, du fait qu'elles soient une géante, sont grosses. Et ça crée une grosse flaque à ses pieds. Ouais, c'est ça. Les Japonais aiment bien répéter, mais nous, en français, on évite. En japonais, si vous voulez répéter 50 fois « Alice wa », apparemment, ça dérange personne. So desu. Voilà. Et déjà, tsugi ? Sono toki, donc à ce moment-là, ano shiro usagi ga hashitte kimashita. Donc, le lapin blanc a couru. C'est ça. Donc, là, ça sous-entend « hashitte kita », ça sous-entend qu'en fait, il était loin d'Alice et il a couru vers elle. Hashitte kimashita. Donc, hashitte kuru, il a couru, mais vers elle. Donc, voilà. Et là, il dit Taihen, taihen, chikokuda, chikokuda. Donc, taihen, taihen, c'est terrible. Et chikoku, c'est être en retard. Donc, du coup, on est en retard. Bon, pourquoi ? Je ne sais plus, j'ai un peu oublié, mais en tout cas, voilà, il est en PLS parce qu'ils sont en retard. Je pense que, moi, du coup, j'ai le contexte du compte parce que je m'en souviens. Hashtag, c'est mon préféré avec la petite sirène. Donc, je le connais presque par cœur. Et en fait, c'est la première personne, ça. Je suis en retard. Et c'est parce que le lapin blanc, en fait, c'est le conseiller de la reine. Reine de cœur. Je me souviens du début du film. Et donc, je sais plus comment ils l'ont dit dans le Disney, mais c'est vraiment en retard. Il fait en retard, c'est fou, je suis en retard, ou un truc comme ça. Il est en mode ça va pas. Et c'est pour ça qu'au début, il regardait sa montre. Il est en mode merde, je suis en retard, faut que je me dépêche, faut que je me grouille. C'est ce genre de choses dans le conte en tout cas. Sinon, il va se faire zigouiller. Exactement, sinon, plus de tête. Jusque-là, le chat, c'est bon pour vous? Est-ce que ça va ? Tant que je vois pas de questions, je me pose pas de problème, mais je préfère toujours prendre un petit temps comme ça si vous en avez. Je remercie du coup Josenpai 2109 pour ton follow. Merci beaucoup. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Ça a l'air d'aller apparemment. Bon, si vous avez une question, comme d'habitude, @apprenonsjaponais, comme ça je la vois. Je ne passe pas à côté. Ja, tsugi dozo. Pour la suite, du coup, c'est Owawate no shiro usagi wa Ogi wo Ogi wo otoshita no ni mo kizukazu ni itte shimaimashita. Ok, bon là c'est un peu chiant, mais on va essayer. Du coup, le Owawate no shiro usagi wa, c'est pour décrire le lapin. Donc en gros, c'est le lapin qui est dans un état de... Comment dire ? De grande précipitation. Sans. Sans s'en rendre compte, il est parti en laissant... Enfin, en fait,
il est parti sans s'en rendre compte qu'il avait fait tomber son éventail. C'est pas de la, le contraire. Sans se rendre compte qu'il avait fait tomber. Sans se rendre compte qu'il avait laissé tomber son éventail, il est parti. Mais en gros, comme en japonais, des fois tu reprends un peu les phrases à l'envers. Mais je dis ça parce que justement, j'allais faire la réflexion au chat. Faites attention quand que votre verbe soit sur le bon point grammatical. Parce que là, alors du coup, j'ai oublié ce que tu as dit, mais le nonimo n'était pas sur le bon verbe. Mais c'est du détail, parce que le sens en français est bon. Et en traduction, on est assez libre. Donc, ce que dit Purnoub est bon, ce que je dis est bon. Mais ce que je dis colle plus au texte. D'accord ? Vous voyez la différence pour le chat ? Mais en gros, c'est bon hein, ce que tu as dit, évidemment. Ouais, en gros, il est parti. Enfin, il est parti sans se rendre compte. Enfin, Kigatsukazu, sans se rendre compte qu'il avait fait tomber son éventail, quoi. Oui, ça. Parfait. Et pour la dernière phrase, Watashimade Atsukunachattawa. Donc, du coup, celle-là, c'est un peu chiant à traduire. Alors, celle-là, les gens, on l'a un peu travaillé avec Tsuguro et Purnoob avant le live, parce que même moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils essayent de dire ? Donc ça, c'est la question pour vous, le chat. C'est, est-ce que déjà vous comprenez ? Donc, Purnoob, si tu peux dire, toi, comment tu l'aurais interprété en décortiquant la phrase ? Après, je peux me planter, hein, donc c'est sujet à interprétation, bien évidemment. Mais du coup, comme il est noté « Watashimade », ça sous-entend que c'est plus le lapin qui parle, mais que c'est Alice. Et du coup, Watashimade, donc littéralement jusqu'à moi, Atsukunachattawa. Donc, wa, c'est souvent utilisé par les femmes. Et du coup, c'est ça aussi qui me fait penser que c'est Alice. Donc, le français, ça s'utilise souvent. Ouais, voilà, aussi. Ouais. Et au final, genre, littéralement, jusqu'à moi, ça m'a donné chaud. Et si on traduit comme ça un peu littéralement, on se dit, mais pourquoi elle dit ça ? Et en fait, je pense que ça fait référence au fait qu'elle a vu le lapin qui était en Oawate, donc il était en grande précipitation, il courait partout, parce qu'il était bien marqué au début, Anoshiro Usagiga Hashitte Kimashita, donc elle l'a vu courir, et je pense qu'en fait elle l'a vu courir, elle a vu qu'il était en mode, ça va pas, je suis en retard, Il veut paniquer, c'est ça, parce qu'il est en retard, il panique, il est en mode, il faut que je me trace, et donc il doit, je pense que comme, si vous avez vu le Disney, vous avez l'image en tête, hein. Le lapin, il est là, il lui parle même pas, juste, il trace sa route, il doit se dépêcher, quoi, donc, c'est flash, hein. Voilà, c'est ça, et donc, du coup, je pense que quand elle a vu un peu la réaction du lapin et tout ce qu'il a fait, bah, en fait, en gros, elle dit, ouais, moi, jusqu'à moi, enfin, littéralement, c'est jusqu'à moi, j'ai eu chaud. Et pour moi, en fait, on peut traduire par même moi, ça m'a donné chaud. Moi, je le traduirais comme ça, mais après, s'il y a d'autres idées, je suis preneur. Moi, je t'avoue que je traduirais comme ça aussi parce que je vois pas d'autres interprétations. Donc, je sais pas, le chat, pour ceux qui ont peut-être une idée de comment traduire cette phrase, est-ce que vous avez une proposition à nous faire ? Est-ce que vous l'avez interprétée autrement ? Là, en plus, on n'a pas de kanji. Donc, Atsui, normalement, c'est chaud. Là, je vois pas. Ça pourrait pas être les autres adjectifs. Mais voilà, quoi. Atsukunachattawa. Et donc, grammaticalement, le chat ici, Atsuku. Donc, c'est Atsui, un adjectif en i, plus naru, devenir, hein, la transformation. Donc, devenir chaud. Et chata, c'est la forme très, enfin la forme orale pour dire teshimau que l'on a vu tout à l'heure, le fait d'être dans un état fini et irréversible, et aussi parfois le fait d'avoir du regret, de manière générale. Et donc là, c'est en mode ah bah oui, genre j'ai chaud. Et le watashimade, pareil. Alors Esdune va se foutre de moi, c'est pas très français parce que c'est du japonais, mais traduire ça en français, c'est pas le plus évident. Genre, il m'a donné chaud, peut-être un truc comme ça. Je crois que c'est plus ou moins ce que t'avais dit, Purnoob, donc je crois que je reprends tes paroles, mais... Ouais, bah en fait, c'est genre, comment dire ça ? En gros, c'est lui, en fait, qui devait avoir chaud, parce qu'il court partout comme un dingo. Mais en fait, elle-même, quand elle le voit, ça lui a donné chaud. Donc, même moi, ça me donne chaud, quoi. Ça. De voir à se précipiter comme ça. Alors, il y a bien un autre Atsui, mais il colle pas à la situation. Ouais, non, bah oui. Atsui, c'est gentil, chaleureux, hospitalier. Mais en fait, pour moi, ça n'a rien à voir, parce que bah, le lapin lui a même pas parlé. Ouais, donc, non, mais non, ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'est vraiment le synonyme de... Enfin, ça fait vraiment référence à la chaleur.
Surtout, voilà, il court, il parle d'éventail. Tu vois, déjà, rien que l'éventail, c'est une piste. Et justement, après, alors, en le relisant, je m'en suis rendu compte, mais après, on va éviter de spoil, mais elle va utiliser l'éventail. Donc, je pense que là, c'est clairement une question de chaleur. Hein. Genre, ouais, ah, il m'a donné chaud. Ah, donc, même moi, ouais. Ça me donne chaud, ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je l'aurais traduit comme ça. Bon, le chat n'a pas d'autre idée parce que bon, c'est pas évident de toute manière, mais j'aurais dit ça aussi. Ça me paraît assez cohérent, donc good job, Desne. Thank you. Bon bah comme d'habitude, je change pas. Bah c'est très bien. J'ai rien à dire. Vous faites du bon boulot. c'est parfait. clap dans le chat. Merci beaucoup. Des lianes. bah écoute, pour nous, toi maintenant t'as l'habitude en plus sur la chaîne, hein, mais bah tu seras toujours le bienvenu pour une prochaine traduction, le sauveur, le Joker si besoin et si envie. Okay, merci beaucoup pour m'avoir laissé faire cette lecture et puis vu que maintenant c'est l'heure de la sieste, je vais siester. Et ben. Ohirune. je sais pas comment. Yoi ohirune. Arigato gozaimasu. À la prochaine. Otsukaresama deshita. Bye bye. Matane. Ah non, Esdume, il y a pas encore de commande Japan Kanke. Peut-être qu'on va en mettre une autre place. Sou desune, clap minasan. Ah oui, hein, bravo, c'est excellent. Non mais moi j'ai rien à faire. En fait, je fais ça. Moi, mon boulot, c'est de faire les diapos. Et après, vous faites tout. Moi, je suis là en mode, oh oui, bah, allez-y, travaillez. je supervise. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dans le chat, c'est bon pour vous? On continue? J'espère qu'on aura le temps de finir. Je pense que oui. J'avais estimé 3 heures pour le faire avec tout le monde. Et prendre le temps d'expliquer comme il se doit. Alors j'en profite, vu que je vois Mizuki qui a sub tout à l'heure, tu as le droit maintenant, grâce au fait que tu as sub, à un rôle spécial de Torokusha, donc de sub, d'abonné, qui te donne accès à de nouveaux salons sur Discord. Donc n'hésite pas à regarder tout ça, il y a tous les cours et tout. Non, Sensei clarifie tout. Yes, on recommence depuis le début. Trop bien. Allez, déjà, S-Dream, est-ce que tu es prêt? S-Dream, moi. Daijoubu desu ka? Oh, j'ai même pas fait attention, je co-regardais. Aïe, dozo. Merci encore pour tous les follow, les gens, et merci encore pour les bits. Et les subs, vous êtes des amours. On peut recommencer au début? Non. Dame desu yo. Ah, et en plus, tu pop comme ça, c'est parfait. Mm-hmm. J'ai même plus besoin de... Le seul truc que je peux faire dans ce live, je le fais pas. J'adore. Comment ça va, Esdum? Bah, ça va, et toi? Eh ben ça va. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore sur le chat? Voilà, encore des gens qui ne me connaissent pas. Pas encore, ils n'ont pas la joie de t'avoir rencontré. Faut pas leur en vouloir. bonjour à tous, je suis S-Dream. Je ne suis plus du 21 vu que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Il est venu dans la meilleure région, soyez pas dégueu les gars. D'ailleurs, ça reste à voir. Ouais. du coup, j'ai 23 ans. Je suis en fin d'études. Et ouais, j'ai commencé à apprendre le japonais en LV2. Parce que j'avais la flemme de faire espagnol. Et Très bonne raison, comme et toujours. Et ça fait un moment que je connais cette chaîne et Kyondi Sensei. Sodesune. Sensei-san, pardon. Sensei-san, chan kun sama de gozaru. Sodesune. Du coup, au niveau JLPT, pour ceux qui sont dans le chat, ton estimation? On a perdu S-Dream. S-Dream est attendu à l'accueil. S-Dream n'est plus là.
il y a les pompiers qui arrivent. Est-ce que c'est pour aller chercher Ashdrim? Peut-être. Allô? Oui, c'est bon, entrez en temps. Tu m'entends? Oui. Ah, on t'entendait plus. Donc maintenant, on t'entend. Et ton niveau de GLPT, du coup? N5, à peu près? Cours N5? N6. N6, c'est pas vrai, il ment. Il ment. J'aime bien parce qu'au moment où t'es parti, on a entendu les pompiers dans la rue. On a dit, bon, bah, il va chercher Ashdrim. Quel timing. Alors, pour ta partie, donc je pense que tu as dû faire, enfin, revoir avec les autres. Je te laisse lire en entier ton petit texte. Tu prends le temps qu'il te faut. Et dès que c'est fait, on fait du phrase par phrase. Et si tu as besoin d'informations, tu me les demandes pour que je puisse... pour que tu puisses essayer de traduire la phrase. D'accord? Ouais, mais je peux pas demander à Purnouk plutôt. Purnouk, tu peux prendre ma place, c'est genre c'est moi. Solewa damedasio, tu ne peux pas. Non, non, non. Eja, dozo. Par contre, je connais pas mes kanas, tu peux lire à ma place s'il te plaît? Baka, baka kimi. Ja, onegai, tekisto yonde yo. Kanmaze kudasai. Yukimi, elle dit, Ashdrim, fais ça bien. Elle te regarde. Non, mais fallait pas le dire. J'ai l'impression maintenant. Eh ben voilà. Et tout. Allez. Bah, je vais. Puis tu fais bien fait, hein. Ouais. Ganbatte kudasai, Ashdrim. Merci. Ok. Arisu wa ogi o hirutsu. Attends. T'as le droit de recommencer tes phrases si tu veux, n'hésite pas, prends ton temps. Arisu wa oki o hirutsute batabata aogimashita suru. Suruto Karada, j'arrive pas, c'est un tout petit, j'arrive pas à lire. Karada. Okay. Karada. Gagun. Gagungun. Chisa. Chisaku. Natsutei kimasu. Natte, hein. Fais attention, c'est des petites sous. Natte. Ah, c'est. Ah, oh, ils sont gros quand même. Ils sont pas très nice, ça. Non, mais sont... ils sont gros, c'est un piège. C'est un diapo piégé. Kono mamade. Wa. Imani. Imani mo. Kieso. Arisu wa awatete. Ogi o hori dashimashita. Sono tutan. Chisana Arisu wa ashi o fuberase ah j'ai perdu perdu l'endroit. Ashi o fuberase te. Tu commences tout en haut. J'avais perdu la page. Enfin, la ligne. Namida no Ikeni osa Ochi Mashita Hishide Kishini
ni à Garuto, à Naruto. Soko wa midori no mori ga hiro ga gatte imashita. Hi, otsukare sama desu. Je vais des clap dans le chat pour Azrim. Très bien, très très bien. Alors, il te manque un peu de fluidité dans ta lecture, mais je pense que ça fait longtemps que t'as pas pratiqué. Mon petit doigt me dit que la pratique, ça fait longtemps. Un peu, ouais. Mais sinon, c'était très bien. Ah, Bon, sinon, c'était très bien. À part le petit dessous, t'avais plus l'habitude de le voir, parce qu'un petit dessous n'est pas si petit que ça, en réalité. Hein. Et surtout que là, c'est le vertical. En horizontal, on a moins ce problème. En vertical, vu que on a l'impression qu'il prend toute la place, parce qu'il est assez proportionnel, on le voit à main. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture. Tu t'arrêtes au bon endroit, tu fais les pauses au bon endroit. Il te manque juste l'habitude, en fait, de lire, donc un rythme un peu plus soutenu. Mais sinon, c'était en soi une très bonne lecture. Très, très bien. Ça fait bizarre de lire en vertical. Ah, et pourtant, tous les romans, dès que vous allez avoir des trucs, ça va être en vertical. C'est parce que vous n'avez pas l'occasion de pratiquer et que nous, dans les manuels et tout, ils vont souvent tendance à le mettre dans notre sens de lecture. Mais c'est pas si... Les mangas, c'est en vertical aussi. Donc, c'est pas si peu fréquent que ça de voir les écritures en vertical. Dès que c'est lié à la littérature ou quoi, ça sera du vertical la plupart du temps. Donc finalement, le fait que les contes soient en vertical, c'est pas une mauvaise chose parce que ça vous entraîne à ça aussi. Mais je te rassure, c'était quand même une très bonne lecture. Au niveau du sens maintenant, on s'attaque un peu à la traduction. Oula. T'inquiète, je vais t'aider, t'inquiète pas. Alice, non, va... Pour nous, viens sécher les réponses. Enfin, sécher les réponses. Bon, bref, on a compris. Alice, va... Ogyo hirotte... Bata bata aogimashita. Donc là, je t'ai mis du vocabulaire. Hiroru bata bata aogu. Est-ce que t'as une idée de ce que veut dire cette phrase? Ah, bye bye à tous ceux qui doivent partir. Merci d'avoir participé. Et à une prochaine. Bye bye. Qu'est-ce qui te manquerait ici? Qu'est-ce que tu aurais besoin de chercher pour réussir à traduire? Le ogi. Ah, ogi, c'est l'éventail. Du coup, Alice a ramassé l'éventail bruyamment. Alors non, attention. Hein, parce que bata bata, c'est pas le fait de le ramasser. C'est le verbe juste après qui fait ce bruit-là. Et le verbe, c'est ogimashita. Qui est, alors en français, je connaissais même pas ce verbe. Hein, éventer, aérer. Autrement dit, utiliser un éventail. Hein. Ils se sont pris la tête. Ouais, bah, elle a ramassé l'éventail et elle l'a utilisé avec agitation. C'est ça. Donc là, vous imaginez tous la scène hein, dans le chat. Alice, le lapin l'a fait tomber. Alice le voit, elle le ramasse. Et la phrase qu'on avait avant, qu'on avait du mal à avoir le contexte, c'était « ça m'a donné chaud bah, ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas bête, Alice. Elle le prend et elle aère, elle a chaud. Du coup, elle utilise l'éventail et bata bata avec agitation, bruyamment. Donc, c'est vraiment en mode j'ai chaud, vite, donnez-moi de l'air. Sodes. La suite. Suruto, karada ga gun gun chisaku natte ikimashita. Alors, ici, pareil. Si tu devais la traduire, qu'est-ce qui te manquerait? Est-ce que tu la comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Le suruto. Je sais pas si ça a été dit avant. Alors, ça n'a pas été dit avant. Suru, c'est quoi? Ça, on l'a vu, mais est-ce que tu t'en souviens? C'est faire. C'est ça. Et to, pareil, on l'a vu, c'est du pseudo-conditionnel. Ça veut dire quand. Donc, faire et quand. Quand elle l'a fait, hein. C'est ça, quand elle l'a fait. Ça fait référence à la phrase qui était juste avant. Et donc là, c'est faire une action, cette action étant d'utiliser l'éventail, hein, finalement. Donc, quand elle l'utilisa, quand elle l'a utilisé, et la suite, karada ga gun gun chisaku natte ikimashita.
Le Kaeru, c'est facile. Oh, c'est tu vois ça où? Ah non. Oh, bon. La phrase juste à droite. Oui, non, c'est... Je suis pas habitué. Karida. Karada ga gun gun chisaku natte ikimashita. Chisaku natte ikimashita. Oula, chisai, oh, je sais plus du tout. Alors, chisai, c'est quoi chisai? C'est quel adjectif? Enfin, c'est le sens de l'adjectif en i, chisai. C'est pas petit? Si, si, exactement. Et donc là, on a la forme que l'on a vue aussi tout à l'heure. Hein. Chisaku natte kunaru. C'est une transformation, c'est devenir. Elle est devenue chisai. Et tu as une forme ici en te ikimashita que en français on ne traduira pas. Donc ici, chisaku natte ikimashita, elle a rétréci, hein, tout simplement. Et gun gun fait partie des onomatopées. Et vraiment, c'est gun gun, elle a rétréci. Nous, en français, on ne pourrait pas le retranscrire. Ou encore une fois, on mettrait peut-être un fiu, elle a rétréci. Mais ce n'est pas très naturel dans notre façon d'écrire. Donc, on va omettre plusieurs éléments de cette phrase pour finalement, en français, dire juste elle a rétréci. Ou si on veut être un peu plus pointilleux, son corps a rétréci parce qu'ici, le sujet, c'est karada. Karada ga gun gun chisaku natte ikimashita. Donc si on répète pour cette phrase, hein, Suruto, en faisant cela, en agitant l'éventail, son corps rétrécit. Son corps rétrécit, ouais, parce qu'on est en masse, on n'est pas sur du passé. D'accord? Ok. Est-ce que les explications sont claires, ça va? Bah oui. Ok. Ok, ok. Merci beaucoup Nana L5 pour ton follow, c'est beaucoup trop gentil. Follow je t'écoutais, arigato gozaimasu, sono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. La suite du coup. Kono mamade. Bon, allez, pour faire plaisir à S-Dream, comment vas-tu, d'où viens-tu et comment as-tu trouvé la chaîne? Dis-nous tout. Et Jatsugi. Kono mamade wa ima ni mo kieso. Alors là, cette phrase, grammaticalement, c'est des choses que peut-être tu n'as jamais vues, qui ne sont pas si évidentes. Notamment le mama, kono mama de wa. On le voit assez souvent dans des textes, c'est un peu comme une sorte d'expression. Et au niveau vocabulaire, je t'ai mis le verbe, du coup, kieru, qui est là, dans le sens, je pense, plus de disparaître, ne plus être visible, de manière générale. La particule D, c'est pas pour le moyen ou quelque chose comme ça? Si. Mais ici, on n'est pas utilisé pour le moyen. Ici, on est plus sur du lieu, dans le sens où... Kono mama, en fait, mama, c'est quand tu as fait quelque chose et que tu le laisses dans cet état. Et donc, quand tu dis kono mama de, c'est genre ainsi, de tel quel, genre dans... telle qu'elle est actuellement, ima ni mo kieso. Prends le plus comme étant une expression ici, hein, kono mama de wa, on l'utilise comme une expression, même si le mama a le sens de, on a fait une action et cette action dure encore, en fait. Genre, elle reste intacte. Et donc là, l'action en question, c'est le fait qu'elle soit devenue petite. Donc là, on va parler plus de son état, je pense. Après, le chat, si vous avez d'autres propositions de traduction, n'hésitez pas non plus. Mes traductions ne sont pas parfaites, hein, donc n'hésitez pas à faire des critiques constructives, d'autres propositions, parce que je cherche également à m'améliorer, donc n'hésitez pas. Mais voilà, Kono mama de wa, je l'aurais plus traduit comme ça, en mode, dans cet état, ainsi, et ima ni mo kieso. Alors, ima ni mo. Ima ni mo. Je vais vérifier un truc dans mon dico. Mais ima, ça veut dire quoi? Ima, c'est maintenant. Oui. Ima ni mo. Du coup, est-ce que tu aurais une idée? Ah.
À partir de maintenant ou jusqu'à oui. maintenant? Oui, oui, à partir de maintenant, je pense, imanimo. Ici, c'est un mot de aussi, mais je pense qu'en français, on pourrait dire à partir de maintenant, imakara, c'est peut-être comme imakara. Je suis pas trop sûre, Purnoub, je sais pas si tu peux nous donner la vraie traduction de imanimo, mais je pense que dans la traduction, si on l'interprète comme ça, ça posera pas de problème. Et donc, imanimo, donc maintenant, kieso, elle a l'air, on est sûr de l'apparence, elle a l'air de n'être pas là, d'avoir disparu. C'est ça. Donc, elle est tellement petite qu'on dirait qu'elle n'est plus là. Je pense. Alors, pareil, dans des contes, c'est toujours... C'est pas détaillé. C'est pas comme dans un roman. Là, on est obligé un peu de s'imaginer toute la scène. Mais je pense qu'elle a tellement répétit que c'est comme si on ne la voyait plus. Genre, jusqu'à présent, bah, on la voyait et maintenant, on la voit plus. Qui est ça ? Elle a l'air, elle a l'apparence. On dirait que elle n'est plus là, elle a disparu. Sors. Bon, tant que je vois pas de questions dans le chat, j'avance. Et toi, Ezume, pareil, si t'as des questions, tu hésites pas. Sinon, je continue. Alice wa awatete ogyo horidashi mashita. Donc là, pareil, niveau vocabulaire, je t'ai remis awateru, se précipiter, et horidasu, lâcher ici, vu qu'on parle d'un objet. Du coup, c'est elle a commencé à s'inquiéter, à perdre son calme et elle a lâché l'éventail. So desu ne. So. Parfait. Là, la traduction, bon, j'ai rien à dire. Alice a awatete. Elle perdit son calme ou elle se précipita. Donc, elle est dans un état où oh merde, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça. Hein. Et ugio horidashimashita et elle a lâché le ohogi. Donc, l'éventail. Très bien. À tout instant, pour le imanimo. Ah, naruhodo. Naruhodo. Et déjà, tsugi. Sono totan, chisana Alice wa ashi o suberasete namida no ike ni otimashita. Donc, niveau vocabulaire, je t'ai mis totan, à l'instant, glisser, suberu, et l'étang. Ike. La mare, l'étang. Elle est un peu complexe, cette phrase. Donc, qu'est-ce qu'il te faudrait ici pour la comprendre? Je crois que je me suis perdu dans le texte. Alors, au milieu du petit... Ah, t'as quel diapo? T'as le diapo avec le vocabulaire? Ou le diapo... Oui, avec le ouais. vocabulaire. Et donc, t'es au milieu, en partant de la gauche, c'est la troisième ligne après le point. Sono totan. Ah, ouais. Ah oui, ouais, c'est bon. J'étais trop bas. Sono totan. Chisana Alice wa ashi o suberasete namida no ike ni otimashita. Donc là, tu peux faire petit bout par rapport aux virgules. Bah, ça te posera pas de problème. À cet instant, ouais. À ce moment-là, la petite Alice Là, tu peux prendre comme une expression ashi o suberu, ashi o subera seru, c'est glissé. Hein. Ok. Bah, elle s'est mise à glisser jusqu'à l'étang. Alors, elle glissa. Là, on est sur une phrase au passé. Donc, le verbe sera au passé. Elle glissa et namida no ike ni otimashita. Il te manque, et je ne l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre peut-être. Otiru, le verbe tomber. Avec une particule de lieu juste devant, elle tomba où? Namida no ike ni. Namida, tu te souviens ou pas? Non. Namida, c'est les larmes. Ah, elle tomba dans... Enfin, elle glissa et tomba dans la flaque de larmes qu'elle avait faite avant. So. Exactement. Très, très bien. Très, très bien. Et la dernière phrase, du coup.
hishi de kishi ni agaru to soku wa midori no mori ga hirogatte imashita. Donc là, pareil, niveau vocabulaire, donc hishide, désespérément, kishi, c'est le rivage, agaru, ici, on est dans le sens de monter et peut-être plus atteindre, en vue du nom qui est juste avant, et tu as le verbe hirogaru, c'est s'étendre, se répandre. Je laisse réfléchir et je profite de remercier Patrick Balkany pour le follow. Follow してくれて、ありがとうございます。そのチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. Donc, je te remets en contexte pour t'aider. Elle voit le lapin passer. Le lapin fait tomber l'éventail. Elle, elle a chaud parce qu'elle le voit courir partout. Elle décide d'utiliser l'éventail et en l'utilisant, elle devient toute petite. Ce qui fait qu'elle est tellement petite qu'on ne la voit plus, mais qu'elle elle lâche l'éventail et soudainement, elle glisse et se retrouve dans l'eau, enfin dans la mare de larmes qu'elle a laissée. Et à ce moment-là, du coup, tu as ta phrase. Elle est désespérément, elle essaye de remonter au rivage, enfin oui. Sur le bord. Oui, 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 c'est ça. Et après, soko wa midori no mori ga hirogatte imashita. Midori no mori déjà. Midori c'est vert ou bleu? Vert. C'est vert. Vert. Mori c'est la forêt. Oui, très bien. Donc du coup elle est partie vers la forêt verte. Alors attention parce que vire ici. C'est pas le verbe aller, hein. C'est le verbe s'étendre, se répandre. Et ton sujet, c'est pas Alice. Ah, c'est Mori. Midori no Mori. Ah. Donc, qu'est-ce qui s'étend? Bah, la forêt. Exactement, so, tout simplement. Donc, soko wa, soko, démonstratif de lieu. Donc, ici, en référence à l'endroit où elle a réussi à monter, c'est-à-dire le bord, le rivage, le verbe s'étendre, s'étendait une forêt verte. Je pense que là, il faut se faire une image de... Elle est dans l'eau, elle tombe, elle est toute petite, donc pour elle, ça doit être un océan. Elle essaie de rattraper le bord, et une fois qu'elle y arrive, elle voit une forêt une étendue d'arbres, donc elle voit une forêt super grande devant elle. En fait, là, oui. Si vous essayez de vous mettre en tête par rapport au Disney, toute la partie où elle est dans l'eau, qu'elle est dans le flacon et qu'elle rencontre l'oiseau et tous les animaux de la mer, ils ne l'ont pas mis dans le compte. Ils sont juste directement passés au moment où elle arrive vers la forêt. Et c'est tout. Donc, il y a ce moment de l'eau, mais elle ne rencontre pas, évidemment. Hein, on ne peut pas, dans un conte comme ça aussi court, on est obligé d'omettre des éléments. Donc ça, on ne l'a pas vu. Et directement, elle arrive du côté de la forêt. Et donc, évidemment, à ce moment-là, elle voit une grande forêt qui s'étend devant elle. Est-ce que ça va pour toi, Esbjum? Oui. Oui, pas de questions? C'était assez clair? Oui, ça va. Ok, parfait. Bah, écoutez, le chat, je pense qu'on peut également faire des clap-clap pour Esbjum et son passage. C'était très bien. On m'est étonné. J'espère que tu auras retenu quelques petits mots de vocabulaire. Je sais que tu n'as pas forcément l'occasion de pratiquer ton japonais, mais sait-on jamais. Il y en a peut-être qui seront glissés dans ta mémoire. On va croiser les doigts. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, tu es toujours le bienvenu. Merci, parce que tu es le premier et l'un des seuls avec Purdoum qui est dans ma... Bah, moi, je veux bien, si tu veux. Du coup, merci avant le live de t'être proposé. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, comme d'habitude, ganbatte pour ton japonais. Et puis... À la revoyure dans le chat et à une prochaine traduction. Ouais.
はい、お願いします。え、じゃあ、じゃあ、お疲れ様です。Et Wasabi qui lâche le beat pour le dire GG SBM. Arigato gozaimasu. Arigato. Ja mata ne. Bye bye SDDIM. Bye bye. Mata kondo. À la prochaine. Est-ce que ça va pour tout le monde dans le chat? Alors c'est long, hein. C'est, là on va être sur du 3 heures de live. Mais est-ce que c'est clair au moins? Est-ce que vous comprenez? Taijoubu desu ka? Oui, clap, clap, clap pour SDM. C'était bien. Vous avez tout, vous gérez tous, hein, c'est très bien. Ça a l'air d'aller. Du coup, après, c'est Lune. Lune, est-ce que t'es prête pour ton passage? Oui, avec un cocolo. Je retourne voir Morphalus. C'est qui ça? C'est Morphée? Mais en mode là, il mange en même temps. Oui, je me doute, hein, du coup, Lune. Mais ça, c'est pas grave, on va le travailler ensemble, ça, de toute manière. Du coup, je te fais venir. Et normalement, tu es dans mon salon. Mais comme tu as retiré les paramètres, tu ne dois pas m'entendre. Ah, là, tu dois m'entendre. La question, c'est est-ce que on t'entend? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Oh, t'inquiète pas, je pense que tu l'as remarqué que c'était chill et que j'étais gentille. Ça va aller. Excuse d'avance, j'ai donné à manger à mes geckos, donc on doit entendre les grillons. Ah, c'est pas grave, ça fait un petit air tropical en mode... je suis pas en France. Ça donne un petit air, hein. Exactement. Moi, les vacances tous les jours avec les grillons. C'est ça. Alors du coup, Lune, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation? Parce que même moi-même, je ne te connais pas vraiment. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter? Onegaishimasu. Bien sûr. Ben, moi, du coup, sur le chat, c'est Silentide. Sur Discord, c'est Lune. Je suis vraiment débutante en japonais, donc je connais à peu près mes kanas. Ça s'arrête à peu près là. Okay. Je connais quelques particules, mais voilà, je suis vraiment, vraiment débutante. D'accord. À la base, moi, je viens de Point Japon, qui m'a retransféré via Twitch, entre guillemets. Ah oui, sur c'est Japon Kenkei. N'allez pas dans. T'as fait toutes les chaînes, y aller passer partout. Trop bien. Ça, je suis partout. Trop bien. Trop génial. Naruhodo. Et du coup, petite question, pourquoi tu as commencé le japonais? Alors en fait, moi je suis allée au Japon pour la première fois en 2018. Ah, et ça a été vraiment un coup de cœur énorme. Alors évidemment, hein, comme à chaque voyage, j'avais appris bonjour, merci, au revoir, tu vois. Mais c'est tout. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment que je me bouge pour apprendre ça. C'est pas possible, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de... Enfin, voilà, quoi. De pouvoir interagir avec les gens. La deuxième fois. Pardon ? De pouvoir interagir avec les gens, avec les Japonais. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, la deuxième fois, quand j'y suis retournée en 2019, j'avais appris des petites phrases bah, toutes faites, hein, comme tout débutant, tu vois. Mais le fait de discuter un tout petit peu, bah, c'était génial. Ah oui, non, mais je te comprends. Naruhodo ne, naruhodo. Bon, ben, bah, enchantée, du coup. Enchantée. Alors, du coup, pour ton passage, donc c'est comme pour les autres. Dans un premier temps, je vais te laisser lire en entier. À ton rythme, tu as le droit de buter et si tu le souhaites, de recommencer la phrase. Tu prends vraiment ton temps et une fois que ton passage sera lu, on fera du phrase par phrase. Et donc, bon, si je comprends bien, je vais grandement te guider la traduction. Donc, toi, focalise-toi surtout sur... la technique que je te donne pour traduire, c'est-à-dire réussir à décortiquer chaque élément, réussir à savoir plus ou moins à quoi correspond chaque élément, parce que dès que tu sauras faire ça, ta traduction en français va, genre, elle va découler de ton, de ce petit casse-tête de je déconstruis la phrase pour savoir le rôle de chaque élément, et une fois que j'ai le rôle de chaque élément, je peux essayer de traduire. D'accord ? Nous, on va plus faire cet exercice-là. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi ? Très bien. Oui, oui, c'est bien. En plus, okay. C'est bien, c'est que ça faisait 2 heures que je travaillais la mauvaise page. Donc, du coup... Oupsi ! J'avais compris que j'avais la cite, donc du coup, c'est bon. Ah oui, non, ça a décalé, du coup. Ah, c'est ma scène. Tout va bien. Désolée.
Attends, ganbatte kudasai. Mettez des clap 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 dans le chat pour l'encourager. Ganbatte kudasai. Du coup, mori ni wa okina kinoko ga arimashita. Kyo te ni motte dabe daberu tabe toyo. C'est ça? Tabe, taberu. Tabe? Oui, ouais. c'est ce que j'ai dit, j'ai mal prononcé, pardon. Taberu toyo. Imomushi. Imomushi ga. Oshiete kuremashita. なるほど Migiteno kinoko o kajiruto. Milu milu, ça doit être une expression. C'est un onomatopée. Ouais, c'est ça. Milu milu, sega chi chi jin de. Ki higarite no kinoko o kajiruto. Gnocchi gnocchi to sega no himashita. Nobi. Alice wa nobi nobitari chijin dari shinagara aruite itte. Hi, Sodes, otsukaresama. Clap, 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 c'était une super bonne lecture. T'as un rythme lent, mais c'est très... Tu coupes bien au bon endroit. Du coup, tu as un bon rythme de lecture pour ton niveau actuel. C'est très, très bien. Tu peux être fier de toi. À part le un kana où il n'était pas bien prononcé parce que la lecture est toute petite, le reste, c'était nickel. Hein. Donc, omedeto gozaimasu. J'ai du mal pour les kurigana quand je les vois pas bien. Et en plus, moi, j'ai dû le prendre. Mon scanner ne voulait pas scanner, donc c'est avec le téléphone. Donc, quand c'est les furigana, j'en tiens pas compte parce que c'est pas évident. Donc, c'était très bien. Très, très bien. Le chat, il te fait clap, clap, clap. omedeto gozaimasu. Ah, même Wasabi qui lâche les bits à chaque fois, c'est trop gentil. Clap, clap, clap. On met des temps. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus difficile, du coup. On va essayer de traduire. Mori ni wa okina kinoko ga arimashita. Donc, avec toi, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va faire du mot par mot. Et à chaque fois, tu me dis si tu connais. Si tu connais pas, je te donne. Donc, Mori. Est-ce que tu connais? Mori, non, je connais pas. Mori, donc là au niveau des kanji, c'est trois arbres, si on fait la liaison en français, on va parler correctement, c'est la forêt. La forêt. Et ensuite tu as niwa. Ni, est-ce que tu connais cette particule? Oui, c'est la particule de déplacement, c'est ça? Oui, c'est ça, les particules du lieu qu'on utilise souvent avec des verbes de déplacement, tout à fait. Et donc niwa, c'est une double particule, c'est en même temps le lieu et en même temps le thème. Donc en ce qui concerne la forêt, et c'est suivi par un adjectif, okina. Est-ce que tu connais okina? Okina, non. Ça veut dire grand, grand. Okina. Kinoko, et kinoko, donc je te l'ai mis dans le vocabulaire, c'est champignon. Ouais, kinoko, je connaissais. Ah mince, comme par hasard. J'ai pas de chance, c'est ça. Et ensuite, tu as le verbe ga arimashita. Au niveau des verbes, est-ce que tu as des connaissances ou pas du tout? Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est le verbe être de présence, c'est ça? So, très bien, très très bien. Sauf que c'est exister au passé, arimashita. Au passé, excellent, excellent. Donc, il y avait okina kinoko, qui tu traduirais ça comment du coup? Donc, il y avait des champignons dans la grande forêt. C'est ça. Et c'est pas juste de simples champignons, c'est de grands champignons. Okina
Kinoko dans la forêt. Très bien, oui, très très bien. Les grands, c'est les champignons qui sont grands, c'est pas la forêt. Exactement. En fait, un adjectif en japonais, il sera comme en anglais, je crois, hein, devant le nom. Et pas après, comme en français. Il y avait de grands champignons dans la forêt. Parfait, excellent. Et donc là, on a une phrase qui est, enfin un dialogue. Ryote ni motte taberu to iyo. Taberu, je connais. C'est nom nom. C'est manger. Oh, c'est manger, exactement. Donc là, au niveau vocabulaire, je t'ai donné, hein, du coup, ryote, c'est les deux mains. Nimote. Nimote, c'est motsu. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Non. Non, je crois que je l'ai vu, mais je pense que j'ai oublié. En fait, là, c'est le fait d'avoir avec soi. Donc, avoir avec soi, ou ça, hein, ni, dans ses deux mains. Et donc, on a donc formanté ici. Donc, on prend avec les deux mains. Taberu to iyo. Donc, taberu, tu me l'as dit, c'est manger. To iyo, c'est bien. C'est l'adjectif en i qui veut dire bien. Et donc, je ne sais plus comment on l'avait traduit avec Pure Noob quand on l'avait travaillé ensemble parce que je ne trouvais pas de phrase en français qui me satisfaisait. Mais c'est à peu près quelque chose... Enfin, est-ce que tu veux tenter, du coup, en ayant le sens de chaque mot? Du coup, elle mangeait avec ses deux mains. Oui, très bien, exactement. Bon, oui, j'aurais dit ça aussi, donc je ne vais pas reformuler. C'est très bien. Il faut manger avec ses deux mains, hein, grosso modo. To-i-yo. Très bien, excellent. La suite, du coup. Imomushi ga oshiete kuremashita. Alors, imomushi, ah, je te l'ai la mis. Chenille, ouais. Exactement. La chenille. Ga, c'est quoi comme particule? Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est le sujet de la phrase, entre guillemets. C'est aloha, c'est pas le thème, c'est le sujet. Exactement. Oshiete, oshielu, ce verbe-là, est-ce qu'il te dit quelque chose? Ça ceux qui regardent, si vous connaissez Tokyo Ghoul, c'est les premiers trucs qu'il dit. Hein. Oshiete, oshiete. Je vais me faire haïr de tout le monde, mais je lis pas de manga, je regarde pas d'anime. Ah mince, bon, non, tu as le droit. Moi, je ne te haïrai pas. Mais pour ceux qui ont la ref, dans Unravel, c'est les premiers mots qu'il dit, c'est oshiete, oshiete. Et ça veut dire enseigner. Enseigner quelque chose. Plus la forme kureru. Tekurelu, tekuremas, au passé ici, mashita, c'est le fait d'être bénéfique pour quelqu'un. Ici, c'est quelque chose qui est bénéfique pour Alice. Donc, c'est comme si on disait Alice ni oshiete kuremashita. Et donc, cette phrase-là, si tu me la faisais en entier, tu dirais ça comment? Je crois que tu m'as perdu. Ah, pardon, pardon. On recommence. Donc, imomushi, la chenille. C'est elle qui fait l'action, c'est le sujet. Oui. L'action ici, c'est oshielu, enseigner quelque chose, dire quelque chose. Et le tekulemashita que tu vois, c'est pour indiquer que c'est bénéfique à quelqu'un. Et ce bénéfice, c'est qui l'a? C'est Alice. Alice. So, so, so. Et donc en français, de manière assez simple, tu me la traduirais comment du coup? Que la chenille enseigne... de bonnes choses à Alice. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, en fait, cette bonne chose-là que nous, on traduit le kurelu, hein, c'est ce qui a été dit avant. Ryote ni motte taberu to iyo. Qu'il faut manger à deux mains. Exactement, exactement. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour le chat? Toi, ça va? Moi, ça va. Ok, parfait. Donc, en attendant, s'il y a des questions, on continue. Naruhodo. Je veux les émotes dans le chat. Naruhodo. Migite no kinoko o kajiru to miru miru se ga chijinde chijinde hidarite no kinoko o kajiru to nyoki nyoki to se ga nobimashita. Donc cette phrase est longue, mais on va faire du petit bout par petit bout. Et j'en profite, vu qu'elle est longue, pour faire une petite pause et remercier Green le Montre et Joki Riel pour vos follow respectifs. Follow j'te que l'été, arigato gozaimasu sur notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Donc, naruhodo. Alors ça, c'est les modes qu'il y a sur la chaîne, ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est quand tu comprends quelque chose. Ah, je vois, ah d'accord, naruhodo, naruhodo. Migite no kinoko. Alors, migite,
Est-ce que tu as déjà entendu ou pas? Non, Migite, ça me parle pas. C'est la main droite, Migite. D'accord. No Kinoko. Et Kinoko, c'était le champignon. Le champignon. Donc le champignon de la main droite. O, cette particule, est-ce que tu sais à quoi elle sert? Oui, c'est le COD, ça montre très le bien. COD. Exactement. Et c'est suivi du coup d'un verbe qui est kajiru, que je t'ai mis, croquer ou mordre. Et ce verbe-là... Donc... Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Ok, ok. Et donc, ensuite, après ce verbe, tu as le to, donc de conditionnel. Hein. Si ou quand on a A, il y a B qui se produit. A étant ici, migite no kinoko o kajiru. Le fait de croquer, blablabla. Quand on fait ça, miru miru sega chijinde. Milu milu, je te l'ai mis onomatopée, hein. Ça veut dire très vite, changer vite. C'est le do, ga, particule qu'on le voit depuis tout à l'heure, et le verbe tijim, qui veut dire rétrécir. On a une forme suspensive, donc il se passe ça, et on a le même, vraiment la même phrase au niveau de la syntaxe, mais avec du mot de vocabulaire différent. Au contraire de la main droite, on a hidarite no kinoko o kajiru to. Là, c'est la même structure, hein, sauf que de la main droite, on passe à la main gauche. Gnocchi gnocchi to sega nobi mashita. Ah, merci Azum pour les bits, c'est trop gentil. Arigato. Alors, gnocchi gnocchi, que je viens de découvrir comme onomatopée et qui est juste trop mignon, beaucoup trop mignon, qui veut dire rapidement également. Genre, j'ai l'impression qu'il fait des gnocchi, gnocchi gnocchi. C'est trop chou. Je veux l'utiliser dans ma vie. C'est bon, à partir de demain, je mettrai gnocchi gnocchi. Donc rapidement, et là va avec le verbe opposé, nobiru, grandir, hein, s'étendre, être allongé, là on parle du dos, donc c'est le fait de grandir et de rapetissir. Alors elle est longue, mais la syntaxe est la même. Du coup, est-ce que tu pourrais réussir à me traduire cette longue phrase avec tous les éléments? Du coup, je vais essayer. Ça fait ah d'accord. Quand je mange le champignon de la main droite, je rétrécis, un truc comme ça. Genre, fiou, je rétrécis. Exactement. Là, c'est même pas un fiou. Je pense que c'est... Vu que c'est de la... Là, on est sur de la vitesse. Hein. Milu, milu et gnocchi, gnocchi. C'est je rétrécis rapidement, je grandis rapidement. Mais c'est toujours compliqué. Donc, est-ce qu'on insisterait en français quand on traduit sur la vitesse? Devenir petit et grand, je ne sais pas. Ça, c'est un problème de traduction. Donc là, tu es libre. Hein. Donc, fais juste une... si tu veux faire une nuance, c'est sur la vitesse. Et du coup. Attends, je reprends. Ah, deux ans. Du coup, quand je mange celui de la main gauche, je grandis, je m'allonge. Oui. Exactement. Très, très bien. Sans. Ah, Kokso propose le rétrécit en un éclair. C'est pas mal trouvé. J'aime beaucoup. T'as cette notion de rapidité, presque instantanément. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. J'aime bien. Mais oui, du coup, la phrase, très bien. Tu as compris. Je vois, quand je croque dans le champignon de droite, je rétrécis. Et quand je croque dans le champignon de gauche, je grandis. Et on peut rajouter cette nuance de très rapidement, en un éclair, aussitôt. Peut-être aussitôt aussi pourrait marcher pour l'instantanéité. Mais c'est très bien, très très bien. Et du coup, on arrive à notre dernière phrase. Alice wa nobitari chijindari shinagara aruite ikimashita. Donc là, on a Alice wa, qui est ici du coup ton thème, hein, ça ne change pas. Nobitali, oui. Shijin Dali. Est-ce que tu connais la forme en Tali Tali Suru? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, alors, ça ne me parle pas du tout. Tali Tali, c'est quelque chose de... comment je pourrais dire ça? C'est comme To et Ya, c'est comme le Ya. C'est quelque chose de non exhaustif, c'est-à-dire que un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Là, c'est un peu cette notion de elle va jongler entre les deux. Un coup, elle sera... un coup c'est Nobiru, un coup c'est Chijimu. Et tu as une forme en Shinagara, et le Nagara, c'est en français, c'est quand tu dis
tout en faisant quelque chose, je fais quelque chose d'autre. C'est la simultanéité de deux actions. Tout en faisant une action, j'en fais une deuxième. Et là, l'action, du coup, c'est les deux en tali-tali. Suru. Je sais pas si c'est clair ou si je t'ai perdu. Non, j'essaie de réfléchir en même temps ce que tu me dis. J'essaie de comprendre ce que tu me dis, parce que c'est des notions nouvelles pour moi. Mmh. Donc, tali-tali, quand tu vois ça, c'est que tu fais des actions... pas forcément l'une après l'autre. Du moins, c'est dans le sens où elles sont pas forcément ordonnées. Un coup ça, un coup ça, un coup ça. Et on s'en fiche un peu de l'ordre. C'est pas comme une forme en T où les actions peuvent être chronologiquement correctes. Là, c'est un coup elle passe de ça, un coup elle passe de ça, etc. etc. Un exemple assez concret, c'est quand t'es dans une fête, un coup tu manges, un coup tu bois. Et ben c'est tabetali, nandali, shimas, etc. Tu passes de l'un à l'autre. Ça peut être plusieurs actions, c'est pas que deux, ça peut être plusieurs, trois, quatre, etc. Et ici, la difficulté, c'est que, en pas, la difficulté qui se rajoute à cette phrase, c'est que tu as un agala, qui veut dire tout en faisant ces deux actions, l'une après l'autre. Très grossièrement. Très grossièrement. Et ensuite, tu as le verbe, du coup, aru ite ikimashita, aruku. Ce verbe, pareil, est-ce que par hasard tu le connais? Aruku? Non. C'est marcher. Et « aruite ikimashita » utilise une forme en « teiku ». Et « teiku », c'est par rapport au spatial, c'est-à-dire qu'elle se déplace, qu'elle s'éloigne. « Aruite ikimashita » au passé. Et elle s'est éloignée. Et là, si on remet en contexte, elle venait à peine d'arriver sur le bord, sur la rive. Elle voit la forêt et elle y va. Donc, sous-entendu, elle va dans la forêt. Hein. Il faut s'en remettre en contexte avec les autres passages. Du coup, les deux, je suppose que c'est du coup le fait qu'elle mange le champignon de droite et le champignon de gauche. Alors, c'est pas du forcément coup, qu'elle mange, mais c'est surtout le fait qu'elle se transforme, soit en petit, soit en grand. Oui. Et du coup, elle se. En gros, tout en. Comment on pourrait traduire ça en français? Je suis en train de réfléchir. Fichtre. Alors, je te donne le début. Oui, s'il te Donc, plaît. Donc, tout en grandissant et rapetissant, je pense qu'on pourrait dire quelque chose comme ça. Hein. Mmh. Et là, le dernier verbe, aruite ikimashita. Elle se déplaça vers la forêt. Du coup, elle avança. Aruku, littéralement, c'est marcher, mais le fait de aller ou avancer, ça me convient parfaitement comme traduction. Donc, tout en rapetissant et grandissant, elle avança, sous-entendu dans la forêt. Elle alla dans la forêt. Sans. Je pense que là, c'est même plus avancer, hein, parce qu'elle marche. Donc, c'est pas juste elle y va, c'est elle fait l'action une fois qu'elle est dans le lieu. Et en plus de marcher, elle fait que grandir et rapetissir. D'accord. Grosso modo. Et voilà, comme par la magie, on a fini ton bout. Ben oui. Ça va, ça a été? Est-ce que les explications, même s'il y a beaucoup de choses, sont assez claires? Oui, c'était très très clair. C'est juste que encore beaucoup de notions qui me manquent. Donc, Oui, et t'en as quelques-unes qui sont même pas niveau débutant. Le Nagala, par exemple, c'est du GLPT-4. D'accord. Donc, c'est pas si compliqué, hein, mais c'est tant qu'on l'a pas vu, on le sait pas. Donc là, il y en avait quelques-unes. Surtout si en plus tu me disais au début que tu étais débutante. Je pense clairement oui, que le chat vous pouvez faire des petits clap 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 parce que c'était très très bien, très très bien. Sans. Et donc toi, du coup, la leçon que tu dois retirer de cet exercice, c'est d'appliquer la méthode que j'applique avec toi. C'est de faire du mot par mot et de si t'arrives à savoir le rôle de l'élément ou le sens de l'élément, alors théoriquement tu arriveras à le traduire. Et ce qui demande le plus de temps dans une traduction, c'est pas de faire la traduction, c'est de chercher, hein, qu'on soit tous d'accord. Traduire, c'est long parce qu'on doit chercher les informations. D'accord ? Oui, je vois. C'est ce que j'essaie de faire même avec Isabelle, quand on fait de la lecture. On se dit, tiens, ça c'est la particule, ça c'est le temps, et on essaie de reconstruire la phrase avec ça. Ah bon, c'est parfait. C'est la méthode que je recommande parce que c'est celle qui vous sera le plus efficace parce que.
Juste prendre le sens général, ça vous fera pas apprendre de nouvelles choses. Alors qu'essayer de, en profondeur, déterminer chaque chose, là, vous allez prendre conscience de beaucoup plus... comment dire ? Vous allez prendre conscience de la grammaire, finalement. Et donc, les assimiler aussi plus rapidement. C'est bête, hein, mais si on analyse, on comprend mieux. Et si on comprend, on sait traduire. Sans ça, si on oublie le comprendre au milieu, on peut pas traduire. Enfin, du moins, analyser, on peut pas relier le point de départ et le point d'arrivée. Mais voilà, en tout cas, félicitations, vraiment, pour un premier passage, c'était très très bien. Comme d'habitude, je sais jamais quoi dire parce que c'est bien, mais tu fais du bon boulot, donc Gambatte, je sais qu'avec Isa, du coup, tu fais de la lecture, donc continuez toutes les deux comme ça, vous faites du bon boulot, et puis tu seras toi aussi hein, la bienvenue sur d'autres sessions de lecture, de traduction, d'oral, sait-on jamais, si le plaisir, l'envie, et le plaisir d'aujourd'hui que tu as potentiellement vécu, je sais pas faire ma phrase. Bref, voilà, tu seras. Avec grand plaisir. On a compris. Très, très stressant, j'ai la voix qui casse un peu parce que le stress. Mais... Nadé. C'était très bien. Tu peux être fière de ça. Je me suis vraiment dynamisée et j'ai appris des choses, donc avec plaisir. Ah, je suis contente alors. Objectif atteint. Yes! merci à toi du coup, et puis bonne fin d'après-midi vu l'heure qu'il est. Et nous, il nous reste encore un petit passage avec Wasabi. Et puis voilà. Merci. Hein. Des bisous à toi. À la prochaine. Bye bye. Otsukare sama deshita. Hop. Bon. Wasabi, c'est ton tour. Est-ce que t'es prêt? Les gens dans le chat, est-ce que c'est bon? Est-ce que cette partie-là était claire pour vous? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez qu'on revoie avant de faire venir Wasabi? On arrive au dernier. C'est le dernier. Prêt, toujours prêt. Ça, c'est bien, ça. Et on aura fini, du coup, la première partie. Toujours prêt? Ben allez, je te fais venir, alors. Bonsoir, bonjour. Bien, bonjour. Attends. Moi, je vais t'augmenter sur mon Discord. Pardon ? Je t'augmente un peu sur mon Discord parce que je t'entends faiblement. Ah, pardon. Attends, là, c'est bon. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Moi, je t'entends bien. Le chat, est-ce que vous l'entendez bien ? Notre cher Wasabi-san. Waouh. Là. Oui, ça a l'air d'être correct. Comment vas-tu ? Ok. Eh bien, écoute, je vais bien. Ah, j'ai découvert ce merveilleux live. Je savais pas qu'il y avait un live aujourd'hui. Je suis contente. Alors, quand tu es content. c'est ce que je disais au début, c'est que les live traductions, vu que c'est des récompenses d'après les objectifs de follow, il n'y en a pas tout le temps. Il y en a que si les gens viennent follow. Donc les gens, c'est un message, hein, clairement pas subliminal, faut follow. Si vous voulez la suite un jour, sinon on l'aura jamais. Et du coup, ouais, c'est normal, c'est des petits bonus sur la chaîne de temps en temps. Qui peuvent être sympatoches. Enfin, voilà. Est-ce que tu nous ferais une petite présentation pour savoir qui tu es, ton niveau ? Mais bien sûr, bien sûr. Ah. Alors, bonjour à tous. Je suis The Wasabi, comme vous le savez déjà, ou pas. Je viens de Marseille, mais je fais mes études à Lyon. Et sinon, au niveau japonais, je suis du N5 à peu près, ouais. Voilà. Ok. Et donc, même question que j'ai pu poser à Lune. Pourquoi tu as voulu apprendre le japonais ? Oh. Pourquoi j'ai voulu apprendre ? Parce que déjà, comme tout le monde, vous savez, animé, manga, you know, hein, on passe toujours par là pour commencer. Mmh. Et puis après, la langue, elle m'a intéressée. La calligraphie aussi, l'écriture aussi. Et en plus, j'avais des amis half, donc ça aide bien. Ah, naruhodo. D'accord. D'accord. Parfait, bienvenue. On s'est déjà parlé, mais pas tant que ça. Genre, j'ai conscience de qui tu es. Mais voilà, c'est ça. On s'est déjà vu une fois sur les Discord, c'est tout. Et après sur le chat. Du coup, je te dis quand même, re à nouveau, enchanté, comme il se doit. Avec plaisir. Alors du coup, je me répète, hein, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Pour ta partie, tu vas premièrement lire ton petit bout qui t'est réservé. Tu lis à ton rythme, tu as le droit de buter et si tu veux de recommencer. Le principal, c'est que tu aies une lecture assez fluide, même si elle est entre guillemets lente, ça pose pas de soucis.
Le but, c'est de t'entraîner et de faire de ton mieux. Hein. Et une fois que ça sera fait, on s'attaquera à la traduction. Et donc là, bon, je me répète, hein, mais considère que je suis ton outil de traduction et que si tu devais te mettre à la place d'un traducteur, qu'est-ce qui te manquerait pour traduire? Qu'est-ce qu'il te faudrait comme vocabulaire, comme point de grammaire? Tu me le demandes pour, à la fin, que tu puisses essayer, comme si tu l'avais fait par toi-même la recherche, de traduire la phrase. Okay. D'accord? Ok, ça marche. Ok. Et déjà, dozo, tekisto o yande kudasai. Ganbatte kudasai. Ok. Kino oe o miru to, chesha neko ga okina kuchi de Alice ni ninmari warai kakemashita. Kono saki de ochakai o yatte iru yo. Boshi ya san to 3月 usagi no ochakai desu. Demo chotto okashina ochakai deshita. Danjobi de nai hi o oiwai sho. Kotae no nai nazo nazo o shio. Owari ga nai ochai mitai. Arisu wa saki e to aruki dashi. Hey, otsukaresama. Bon, pareil, vous avez tous très bien lu aujourd'hui, donc je me répète, mais bon, c'est parfait, j'ai pas grand-chose à dire, c'était une très bonne lecture. T'as un bon rythme de lecture, tu coupes au bon endroit, tu te trompes pas dans tes canaux, donc pour moi, c'est une lecture réussie. C'est très bien. Merci. yeah, c'est... Remercie-toi toi-même, en mode, c'est toi qui as bossé. Merci moi-même. Et tu te serres la main comme ça. Alors, merci. Moi-même. sans. Donc voilà. Bon, j'ai pas de remarques spécifiques à te faire. Du coup, bah, on va faire de la traduction directe. Kino ue o miruto, chesha neko ga okina kuchi de Alice ni ninmari warai kakemashita. Donc, pareil, mets-toi dans une posture où tu essayes de traduire par toi-même une phrase. Il y a des choses que tu comprends, d'autres que tu comprends pas. Qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir? Et si tu sais plus ou moins tout, qu'est-ce que tu me proposerais comme traduction? Alors, on va tenter. Donc, d'abord, on va regarder le verbe qui est du coup... qui est du coup sourire à quelqu'un avec une envie. Tac. Alors, on va tenter. Hi, dozo. Juste la partie de Kino o miru to, juste, je vois pas comment l'intercaler parce que du coup, c'est genre en regardant ou quand on regarde le sommet de l'arbre. Mais du coup, ça n'a pas vraiment. Je vois pas le sens qu'il y a. En fait, alors. Pour t'aider, hein, surtout que là, on a choisi un conte comme ça parce qu'il est plus ou moins connu. T'as déjà vu le Disney d'Alice au Pays des Merveilles? Oui. Alice, elle fait quoi quand elle arrive dans la forêt, quand elle rencontre le chat? Parce que là, la personne qui regarde, c'est ça, c'est Alice. Hein. C'est Alice, tu vois, qui noue au miluto. Ok. Donc, Donc, du coup, quand Alice regarde dans l'arbre, en haut de l'arbre. Oui, parfait. Ok, donc quand Alice regarda en haut de l'arbre, le chat. Franchement, mon accent. Alors, en français, même en français, c'est le chat chayeur, je crois, en français. Mais j'ai un gros doute. Donc, on va dire le chat. En japonais, du coup, c'est checha. Checha neko. Le chat, checha. À chéchir, apparemment, Logan nous dit. Du chéchir. Ah, chachayor. Okay. J'ai un souvenir de chachayor en français, donc. Alors, le chat, on va dire. Oui, voilà, le chat, c'est bien. Du coup, le chat souria avec satisfaction à Alice avec
une grande bouche. C'est bizarre de traduire. So. Mais pareil, je pense que tu dois avoir l'image du Cheshire qui sourit de toutes ses dents là, jusqu'à ses oreilles. Donc là, moi, si je proposais une traduction, c'est assez en regardant en haut de l'arbre, le Cheshire sourit de toutes. Ben, c'est un sourire un peu malicieux. Hein. Lui sourit à Alice de toutes ses dents, on pourrait dire, d'un air satisfait ou quelque chose comme ça, peut-être. Sans. Oui. Ah, coucou Sophie, comment tu vas? Je vois qu'on lit ici Alice, ici aussi, c'est cool. C'est le chat de Cheshire, Cheshire Cat en anglais. Cheshire étant un comté en Angleterre. Ah, Naluroto, ah, aussi était cool, t'arigatone. Merci pour l'info. Comment tu vas, Sophie? Ça fait longtemps que je t'ai pas raid. À chaque fois, je te vois pas. Dès que je finis un cours, t'es pas là. Parce que je finis trop tôt, soit on se croise pas. C'est dommage. Mais voilà, pour la traduction, du coup, ce que tu fais, ce que t'as dit, Wasabi, c'est très bien. L'idée, elle était là. C'est vrai que Okina Kuti, une grande bouche. Là, je pense qu'on soulignerait plus de toutes ses dents pour faire quelque chose de plus proche du français. Mais ta traduction est correcte. Hein. So. Phrase suivante du coup. Kono saki de otakae o yatte iru yo. Alors, otakae, genre c'est a tea time, mais oui, c'est en ça. Français, mais il n'y a pas de traduction. C'est une réunion de thé ou comment on pourrait dire ça? Une thé partie. Un truc de style-là. Alors, une thé partie. prenons le thé. Enfin, c'est pas du coup, mais c'est genre... comment ça s'appelle Yaru. Tu sais ce que c'est, Yaru? C'est faire. Exactement. Donc... Ouais, mais genre, faisons la petite partie. Alors, c'est pas faisons. Là, c'est yate iru. On est sur un te iru de description, hein, donc il se passe quelque chose. Alors, c'est l'heure du thé, peut-être, en traduction, peut-être. Je pense qu'on pourrait s'autoriser ça, hein, c'est l'heure du thé. Si on veut être beaucoup plus littéral, c'est il y a une petite partie là-bas. Kono saki de, hein, donc saki plus loin, au-delà d'eux, donc là, un peu plus loin, il y a une fête. Vraiment, le teiru, je ne sais pas si c'est une notion que tu n'as peut-être pas vue, parce que ce n'est pas les premières qu'on voit en JLPT5. C'est de la description. C'est de l'état. Il se passe quelque chose, on décrit quelque chose, et c'est le fait de faire une tea party, donc juste un peu plus loin. Il y a une tea party où une tea party est organisée. Je pense qu'en français on pourrait être assez libre sur la traduction du verbe, hein, tant qu'on a le sens. Là-bas ils font la fête, grosso modo. Là-bas il y a une tea party. Et donc alors pour être sûr, c'est qui dit ça? T'as bien compris qui parle? C'est le, à mon avis, c'est le chat de C'est ça, c'est Chir, le chat, exactement, c'est le chat qui parle, très bien. So. Tea party, oui. Oui, pareil, pour moi, j'essaie de faire des raids, mais nos horaires se collent pas. Ben oui, moi, je live plus en fin d'après-midi, début de soirée, et tout le monde, ou presque, à part Chomi, vous faites du la soirée, du la, si on veut parler français. Du coup, c'est ballot, mais t'inquiète pas, le jour où je te vois, je te raid. So, déjà, tsuzukimashouka. Boshi ya san to sangatsu usagi no otakai desu. C'est la tea party du chapelier et du lièvre de Mars. Oui, parfait, excellent. Là, on peut continuer, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Demo, chotto okashina osakai desu. Deshita, pardon. C'était une tea party un peu étrange. Oui, parfait. Étrange, okashi, bizarre. So desu ne. Demo, chotto okashi na otakai deshita.
Bon, parfait. Et là, niveau dialogue, et alors ça, j'ai découvert du coup comment ils le disent en japonais, je trouve ça très marrant. Tanjo bi de nai hi o oiwai shio. Du coup, fêtons le non-anniversaire. So desu ne. So, so, so. Nous, c'est fêtons un non-anniversaire. Et donc, littéralement, tanjobi de nai hi, un jour qui n'est pas le jour de l'anniversaire. O, oiwai shio. Oiwai, la fête. Oiwai suru, iwau, c'est célébrer, fêtons. Fêtons le jour où il n'y a pas d'anniversaire. Littéralement, c'est ça en japonais. Donc, fêtons le non-anniversaire. Et, autre dialogue, kotae no nai nazo-nazo o shio. Faisons des devinettes sans réponse. So desu ne. Kotae no nai, ne pas avoir de réponse. Nazo-nazo, des devinettes. Donc, faisons des devinettes qui n'ont pas de réponse. Bon, on retrouve bien l'esprit totalement détraqué du Chapelier Fou et du Lèvre de Mars, hein, clairement. En fait, des jours qui n'ont pas d'anniversaire et en fait des devinettes qui n'ont pas de réponse. C'est totalement crazy, crazy sugimasu yo. So desu ne, so so so. Et donc, pour finir, owari ga nai otsakai mitai. Alors, j'ai pas vu qu'il restait deux phrases. Avant dernière phrase. Ok, ok. Du coup, on dirait une tea party sans fin. Oui, exactement. Donc ici, pour le chat, je vous la décortique un petit peu. Elle n'est pas si... Elle est simple, mais il faut la décortiquer. Owari ga nai, ne pas avoir de fin. Ici, en forme neutre, qui va déterminer le nom otsakai. Donc la tea party qui n'a pas de fin. Et ensuite, on a mitai. C'est très oral et ça veut dire... on dirait que c'est comme si... Donc, c'est, on dirait, une tea party qui n'a pas de fin. Et cette fois-ci, la vraie dernière phrase. Alice wa saki eto aruki dashimashita. Alors... Alice continue à marcher. Enfin, c'est vers l'avant, mais du coup, on s'en fout. So. Elle continue à marcher. Exactement, très bien. Donc là, il y a tout un sous-entendu de bah, elle quitte la fête, que l'on ne dit pas en japonais. Nous, en français, peut-être qu'on le dirait juste. Bon, je sais pas, ça dépend des traducteurs. J'aurais peut-être eu une envie de le mettre. Alice partie et continue à sa route, hein, quelque chose de ce style-là. Mais l'idée est là. Hein. Donc, Saki est particule de direction, hein, en direction de. Saki, c'est au-delà, plus loin, là-bas. To, aruki dashima, dashimashita, aruki dasu, commençait à marcher. Et elle commença à marcher plus loin. Elle parta, en gros, elle partit plutôt. Voilà. Est-ce que ça va pour toi, du coup, Wasabi? Oui. Ouais, c'était cool. C'était parfait, encore une fois, j'ai pas eu besoin de bosser, donc. Ça, vous maîtrisez le truc, j'ai rien à dire, c'était une bonne note à la clé, même si je note pas, c'était du bon boulot. Bien joué, bien joué. Bah écoute, sur ce, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Je te remercie beaucoup d'être venu combler notre petit dernier diapo. Sans toi, peut-être on l'aurait pas traduit, peut-être. Mais merci à toi d'être passé, j'espère que ça t'a plu du coup, vu que c'est la première fois sur la chaîne. Ah, yokata. Yokata. Et bah du coup, j'espère à une prochaine fois alors. Dès qu'il y aura un live, si t'es libre et que ça t'intéresse, tu seras le bienvenu. Ah, c'est surtout si je suis libre, hein, parce que l'intérêt, il est là déjà. C'est exactement. Exactement. Là, du coup, j'ai eu de la chance, c'est ça, je présume. Oui. Non, en vrai, yes. J'avais réussi à me libérer, j'étais content. Ah, naruhodo. Ah, déjà, yokata. Bon, voilà, je suis contente alors. Yokata desu. Ah là là. Bah sur ce, bon après-midi à toi et puis à une prochaine, j'espère. À la prochaine. Otsukaresama deshita. Bye bye. Et oui, les gens pouvaient faire des clap 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 pour le passage de Wasabi, c'était très très bien, très très bien. Vous avez tout géré, hein. Franchement, si je peux faire des traductions comme ça tout le temps avec vous, moi j'en fais tous les jours.
Philo, contente de t'avoir découvert. Ah, mais je suis contente que tu m'aies découvert aussi. Yokata, je suis contente que ça vous ait plu. Donc voilà, alors pour réexpliquer, mettre en contexte, même si vous le savez déjà, ce live-là de traduction, c'est la récompense pour les follow goals qu'on fixe à chaque fois, qui sont juste ici. Le prochain étant un live de traduction d'opening que je ferai voter sur le Discord. Et là, c'était la récompense pour les 1500. Les 1500 follow sur la chaîne, qui est quand même un cap, hein, dont je suis très contente. Donc, la deuxième partie, elle se fera au cap des 2000. À 1000, donc, 1750, c'est la traduction d'un opening, d'une chanson d'opening. Et au 2000, ça sera la partie 2, du coup, d'Alice au Pays des Merveilles, qui se trouve également dans ce livre-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Pour ceux qui ont passé, je vous me l'avez dit en direct que ça vous avait bien plu, donc pour vous, je sais, mais pour les autres, le fait d'être spectateur, est-ce que ça a été quand même ? On est quand même à 3h30 de live, je sais que ça peut être long, mais est-ce que ça a quand même été supportable ? C'était très cool, j'ai découvert ta chaîne aujourd'hui et j'ai bien appris. Ah, yokata, Linse ! C'est agréable, honnêtement. Ah, déjà yokata, yokata des. J'ai toujours peur quand c'est long que beaucoup de gens décrochent. Alors, il y en a qui ont décroché, mais on est quand même resté une trentaine en moyenne. Ce qui prouve que bah, ça fonctionne bien. Et pareil, les lives de traduction, moi, ça comme, vu que je vous fais tout un préparatif de diapo, c'est ça qui me prend du temps. Je n'en fais pas tout le temps parce que sinon, j'aurais plus le temps de faire les autres cours, malheureusement. Même si c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais comme je le disais, il y a des activités lecture sur mon Discord et également sur le Discord de Japan Kankei. Il y en a un peu plus sur celui de Japan Kankei. Pure Noob, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, n'hésite pas à mettre un lien vers ton Discord aussi parce que même moi, je participe aux activités lecture qui sont sur le tien, plus manga ou light novel, n'hésitez pas également à rejoindre celui de Japan Kankei et de le suivre sur Twitch hein, vous voulez d'autres cours de japonais. On est plusieurs maintenant, il y a Sophie cours de japonais qui en donne, donc n'hésitez pas à la follow. On a Judaichi qui a live hier, on a Tokimeki de temps en temps qui fait aussi des lives de traduction, réaction qui sont super sympathiques. On a Shomi et moi, ainsi que Japan Kankei. On est cinq, plus ou moins. Donc n'hésitez pas, ça vous fera du... Clairement, on fait ça parce qu'on sait que c'est difficile d'apprendre le japonais. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des cours, d'avoir un prof. Donc si nos chaînes, nos Discord peuvent vous aider, profitez-en. Profitez-en, c'est le moment ou jamais. du coup... Moi, à 18h, je donne cours à quelqu'un. Autant vous dire que je vais essayer de me reposer, que je vais un peu tilulu, comme on dit, parce que je commence un peu à fatiguer après 3h30 de live. Mais on va raid quelqu'un, évidemment, comme d'habitude. Et la question, c'est, est-ce que vous avez des gens à raid ? Je vais regarder un peu qui j'ai de mon côté. Alors, j'ai des dessinateurs. J'en ai une que j'aime beaucoup. Mais est-ce que vous avez des recos ? À la limite, si vous en avez, on peut faire par rapport à vous, hein, mais... Si vous en avez pas, je sais qu'il raid, mais si vous en avez, je vais regarder ce qu'il propose. Dites-moi dans le chat. Todeska. Il n'y a pas l'air d'avoir de reco. Bon bah écoutez, on va partir sur ce que j'ai de mon côté du coup. Ah, wakatta, wakatta. Personnellement, je n'ai personne à conseiller. Juste repose-toi bien et merci pour le live. Mais merci à tous ceux qui viennent de rejoindre. Merci à tous ceux qui ont follow, hein, ceux qui ont rejoint le Discord, ceux qui ont mis des bits aujourd'hui, ceux qui ont sub, notamment Mizuki. Merci beaucoup pour ton sub prime, ça fait super plaisir. Vous êtes tous des amours, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser en compagnie du coup de Claire Delpré, qui est une dessinatrice que j'ai rencontrée lors d'un salon virtuel. Je lui ai acheté même quelques petits goodies qui sont vraiment très 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 mignons. C'est assez chill là-bas, c'est de qualité, des dessins de qualité, donc vous devriez trouver votre bonheur. Vous récupérerez au passage quelques points de chaîne. Et sur ça quelques mots, du coup, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci!
Merci Wasabi, merci pour les bits, c'est trop gentil, génial ce live. Bah, je suis contente que ça vous ait plu. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Si vous voulez la suite d'Alice au Pays des Merveilles, il faut dépasser les 2K. Donc, vous le savez. Je vous fais à tous des bisous, vous êtes des amours. Mouah ! À la prochaine. Bye bye, minasan. Otsukare sama deshita. Bye 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 bye.